Salut à tous, bienvenue dans ce dernier épisode consacré au Half Marathon des Sables et qui marquera donc le dénouement de cette course à étapes avec aujourd'hui les étapes 2 et 3. J'espère que l'épisode vous plaira, bonne écoute! Salut Guillaume, ça va? Guillaume, ça va bien? Tu as eu de l'eau hier ou pas? Ouais c'est bon, merci beaucoup. Le départ il est où exactement? 13h, je pense que tu le verras quand tu traverseras le resort. Donc c'est de l'autre côté hein, aussi? C'est à peu près au milieu du resort je pense. D'accord, ok. Je pense. Hein, mais ça marche, ouais, je trouverai a priori. Ouais. Je vais suivre le flow. Ça va toi? Ça va bien. Pas trop fatigué? Un peu parce que j'ai dormi à 4h du matin. Mais ok, t'étais jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier bus et on a réussi à rentrer tout le monde. Ok, ok. Et voilà. Bon, bah, récupère bien. Ouais, super, écoute, j'avais jamais couru 60 bornes, donc c'était une première et ça s'est bien passé, je suis content, vraiment. J'avais décidé que ça allait le faire et puis voilà. Donc, à mon échelle, une réussite, c'était super. Et les paysages, ouais, c'est sublime, c'était sublime. J'ai réussi à plus, enfin, bien lever le nez, à bien profiter, à pas être trop. J'ai toujours tendance à trop cogiter, à penser et là, j'ai vraiment réussi à profiter pleinement, à m'en mettre plein les yeux là. Magnifique, c'était trop beau. Ça fait plaisir à entendre. À tout à l'heure, récupère bien, tu vas pouvoir faire une sieste, non, même pas? Non, pas avant c'est ce pas soir. Prévu. Bon courage, Guillaume. À tout. Merci, Guillaume. J'ai pas regardé le détail, c'est plein de boss? Voilà, boss. Ouais. Il y a deux boss comme ça hier. Ah putain. Et c'est tout. Ça descend en fait, ça remonte tout. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de. À zéro relance, quoi. Il n'y a que des boss, trois boss. Donc en fait, ça veut dire que tous les gars sont aujourd'hui pour décrocher. On va monter, on va marcher vite. Ok. Et dans la descente, effectivement, on va descendre sur des écoles. Ok. Il y a ceux qui vont oser. Ouais. Et ceux qui vont être sur les quadrilles et qui jouent pas mal. J'ai pensé à toi par ailleurs. Ouais. À la limite du danger dans les descentes. Tu m'as dit. Okay. Mais essayer de courir sur le plat. Marcher au plus vite dans les montées. Là, il faut relancer sur les formes montantes. Parce qu'en fait, ces trucs, ils montent comme ça. Là, sur les descentes, effectivement, on connaît bien que les différentiels de course dans les trails sur les descentes. Vous prenez pas le bâton, là, pour les... Moi, je prends aujourd'hui, ouais. Ok. Justement, pour attaquer fort dans les montées. J'ai pas utilisé hier, donc j'ai les bras bien. Ok. Ouais, et après, en descente, je les prends au milieu, à la main, comme ça, horizontal. Ouais. Alors, on va blesser les jambes et ça va battre, ça change rien. Tu les gardes à la main. Moi j'ai fait 25 avec les bâtons en main. Non, ça va. Là je pense que ça va aider. Hein. Et tu gères bien les bâtons? Ouais, moi j'aime bien. C'est vraiment ta ligne un pas, un truc de bâton, genre clac, clac, clac. Là, t'es vraiment un pas égale un coup de bâton. Je fais deux bâtons, un coup de cul, deux bâtons, un coup de cul. Ok. Et tu cours, marche en cabri quoi. Ouais, ok. Tu marches. S'il faut se focus sur un truc, là où il y aura des différentiels sur ce genre de course entre les gens, il n'y en a que deux qui ont la capacité à relancer sur les faux plats montants, alors qu'il y en a qui vont continuer à marcher. Et en fait, si tu relances, ça change tout. Ouais. Et descente. Alors là, ouais. Tu regardes la vitesse de descente des trailers à 8MB, et c'est le classement. On va faire la petite en élite devant. Ça va? Non. C'est les jambes, je pense que ça va aller mieux quand je vais courir. Ouais. Papa, quand je marchais, plus tu marches, plus ça va mieux, mais je me plie. Là, on est pas sur de la méga flexibilité, là. T'as l'impression le bon poteau en bois. De découvrir des muscles en dessous, là. Ils étaient cachés depuis toutes ces années. Winners, work it good. Sweat to pick a winner. How does that feel? Tell me how does that feel? Is sweat dripping down your balls? La balise, elle est censée faire quoi quand elle est allumée? Bleu et vert ou juste vert? Non, bleu et vert. Ouais, c'est éteint. D'accord. Ça va? Ça a été pour Jérôme hier? Ça a été pour Jérôme hier? Oh, oui, très bien. Ouais, t'es content? Ouais, il est bien. La déception est un peu passée ou pas? Ah, bah il a trouvé que c'était assez plat. Ah, ouais. Là, je crois qu'il va se faire plaisir aujourd'hui. Ah, ouais, ouais. C'est pas par où? On part par là-bas? Vous partez par là, vous montez, vous descendez. Vous... Par là-bas, tu dis? Hein? On part par là ou là-bas? Là-bas. Ok, ok. Oh, c'est sympa qu'on part. Bah, c'est clair, hein. Salut les amis, ça va? Hello.
Alors, en pleine forme, le mental au surtaquet là. Là, on est au niveau de confiance maxi là, non? Ouais. Ce matin au saut de lit. Ah ouais? Mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux, ouais. Ça va être court, mais c'est court, ouais. Oui, c'est la promenade. Oui, un peu mal aux jambes, mais raisonnable. Moi, j'ai toujours des débuts de course compliqués, donc je pense que 13 bandes, c'est pas trop mon format là. Je mets du temps à dérouler, moi. Idéalement, tu vois, il a fallu s'échauffer un peu ou autrement, il me faut ce genre de truc parce que je suis vraiment lent au démarrage, je peine. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais, puis après, ça roule sur la. Au long cours, ça va. Ça va être bien, il va faire hyper chaud là. Ouais. Faut bien qu'on gère. Moi, j'en ai pris une troisième, là, j'en avais une en une flasque. Ouais. J'ai trop vu venir le coup d'hier là où c'était quand même un peu stressé là. Je bois énormément, ouais. De l'eau, mais aussi des bières quand on a le droit. Ouais. Demain, demain soir. À 36h, ouais. Allez, soir, ouais. On est près du but. Mais bravo à vous tous, hein, Peter. Merci, ouais. Ça valait le coup quand même de pousser là. C'était beau, hein. Ouais. C'était beau, mais après. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on avait, ce dont on avait discuté, c'est le dénivelé venait après. Hein. Ouais. Donc après 42 plats, tu dis ouais. On ça rallonge, passe. Rallonge, ouais. Comme en calculant, on rallonge la moitié, ça va aller. Et après, t'as trouvé plus dur la montée ou la descente? La descente. La descente. Ouais. Oh là là. Ça chauffe le cuisseau, hein. Un peu technique en plus, faut faire gaffe. Ouais, la descente sur les 50 là. Ouais, oui. Bed, ouais. En plus, ça glisse. C'est un peu comme il n'y a pas besoin des guêtres aujourd'hui. Bah, je les ai prises au cas où je me dis si ça rentre. C'est sûr qu'on n'a pas trop de. Bah, remarque, il y a de la plage, hein, ils vont peut-être vous faire finir par la plage. Ah, peut-être un moment on va passer dessus. Hein. Ouais. Nous, on a dans le doute, je me suis dit ça pèse 120 grammes. Ouais. On a eu un coaching de Lucas, là, ouverture, sinon. Ah, vous n'allez pas les prendre aujourd'hui? Surtout ne pas les prendre. Mais lui, il les prend jamais. Ouais, mais dans la même phrase, il me dit ça ne me dérange pas de les vider. Je préfère les vider des chaussures 3-4 fois plutôt que de mettre des gaffes. Ah ouais, ouais. C'est bizarre, ça, non? Ouais. Ce qu'il me dit, les gaffes, ça chauffe. Il a dit par contre sur la Jordanie, sur le Maroc, là, le Pérou. Il me dit si tu t'enfonces jusqu'aux chevilles, oui, ça vaut la peine. Oui, c'est vrai. Après, c'est relou d'avoir un caillou, tu vois, qui vient, même s'il y en a juste un, obligé d'enlever tes pompes et tout, c'est quand même chiant, quoi. Enfin, tu perds 2 minutes, ça te casse, t'es obligé de t'asseoir. Enfin, tu vois, c'est. Sûr que lui, il va vite, donc il a le temps de vider ses pompes. Il a dit bon, j'essaie de faire en une heure. Allez, une heure. Il est incroyable avec son. C'est l'impression qu'il est tellement facile, c'est ce que tu disais hier, quoi. Demain c'est 8h30 le départ, j'ai oublié. Je sais pas. 9h? Mais on part en quart. Si, il y a un quart demain. Je vais m'avancer un tout petit chouille, moi je pense. Ouais, on se fait signe après, profiter. La chaleur là, ça va être quelque chose aussi à cette heure-là. Là. C'est le moment où on s'est retrouvé à peu près à cette heure-là là, hier. Kilomètre 20, on avait ça à 3 heures de course, ça à 13 heures. Ça cogne pas mal. Ça nous fait peur? Pas du tout. Mais dès qu'il y a un peu de vent, on le sent plus en fait. Mais c'est là aussi les dangers. Oui, ouais. Peut-être qu'en haut, ça ira un peu mieux, ouais. Ah, moi, ça va être tranquille. Hein. À tout de suite, bonne course. À tout de suite, toi aussi. Ciao. Alors, il faut aussi que je vous dise que hier, toute l'organisation a été particulièrement impressionnée. On vous a tracé une étape de folie. On a vu vos réactions, vos vitesses de passage. Et vous nous avez fait vivre la première édition où sur une grande étape, on est en dessous des 1% d'abandon. Alors j'aimerais franchement vous applaudissiez très fort pour ça. Dans l'organisation, la plupart d'entre nous sommes coureurs. Et je vous avouerai que quand on vit une étape difficile, quand on va chercher dans ses réserves, quand l'anxiété arrive avec la nuit qui tombe, et qu'on arrive au milieu de la nuit, je vous ai tous accueillis jusqu'à 4h du matin, encore à sourire. Je dois vous dire merci parce que vous nous nourrissez de votre énergie. J'aimerais que vous savouriez cette étape aujourd'hui. On est dans le fameux jour de repos avec une étape. Alors j'aimerais que vous évacuiez l'anxiété. Certains d'entre vous ont beaucoup donné et souffrent. Donc ne vous souciez pas des barrières horaires. Enlevez-vous ce stress. C'est pas moi en tant qu'expert des bus et des horaires qui vais vous en vouloir. Donc surtout, faites votre course. Prenez votre rythme, on saura vous attendre. J'ai pas non plus dit qu'il fallait la faire en marche arrière, mais je voudrais vraiment que vous savouriez cette étape comme vous le méritez après tous les efforts que vous avez faits hier. Ok, maintenant Guillaume va vous donner rapidement les informations techniques de l'étape. Je vais vous demander d'être attentif. Après, notre DJ Robin, qui couvre toutes les éditions du HMDS,
va un peu mettre de musique et là j'aimerais que vous libériez un peu d'énergie juste avant de partir et il donnera le top départ et on se retrouve à l'arrivée et j'espère très sincèrement que vous aurez absolument tous le sourire. Donc les détails techniques, étape de 12,7 km, un CP au kilomètre 6, 600 mètres de dénivelé et 5 litres d'eau à l'arrivée. Et voilà, c'est tout. Musique, maestro. Come on, build the energy. Hey. Arrivé de la deuxième étape, j'ai mis un peu plus de 2h10 je crois. Ça a été très compliqué, comme quoi les étapes les plus courtes sont pas les plus simples. En tout cas pour moi, chaleur et distance courte, ça marche pas fort. Mais c'est fait, donc voilà. Il va falloir bien récupérer pour demain, je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, le plaisir est total. Et j'espère que ça s'est bien passé pour Hélène, Marine et Greg. J'irai leur poser la question tout à l'heure. Alors Dorian, t'as fait quoi? Ouais, j'ai morflé mais de ouf. Et toi? Eh ben super course, bien géré. Je finis deuxième, mais le tu premier. Tu reprends combien de temps? Je reprends 8 minutes au deuxième qui passe troisième. En gros, je suis à 1 minute 20 du podium ce soir. Ok. J'ai pris de l'avance sur tout le monde. Génial. Ouais, parce que celui qui gagne aujourd'hui, en fait, a fait le 40 km hier. D'accord, d'accord. En fait, il est pas dans le classement. Ok, ok. Et donc moi, je gagne au sprint. Vraiment okay. Une belle course, donc. Génial. Ouais, je suis super content. Des bonnes ouais, sensations. Parce que le dénivelé, t'avais un petit doute sur le fait que ce soit parfaitement adapté. Je suis parti moins vite que les Espagnols. Ils sont vraiment partis vite à 3. Après, je pense qu'ils m'ont testé un peu. Dès que je revenais, ils accéléraient chacun leur tour. Ils jouaient ensemble ou pas? Ouais, ils jouaient quand même ensemble. Mais je pense, voilà, j'ai géré ma course, je suis resté derrière eux. Et quand le troisième a pété, et bah, je l'ai accéléré, j'ai pris sa place. Pour moi, là, les places étaient faites. Et en fait, je suis revenu sur le premier et le deuxième. Okay. Et en haut, de la dernière descente, je me suis dit, faut prendre tous les risques. J'ai bombardé dans la dernière descente. Et je reviens à 20 mètres sur la plage. Okay. Et je suis à 200 mètres de la ligne, on est ensemble. J'accélère, il accélère, il m'en remet une. Et dernier virage au sprint final. Okay. Donc, vraiment une super barrière. Ah ouais, et au sprint, j'avais peu de doutes sur le fait de pouvoir gagner. Okay, okay. Et du coup, j'ai gagné au sprint. Donc, ouais, non. Mais donc, génial. T'es premier de l'étape là? Je finis deuxième. Mais okay, le okay. Premier est sur oui, la P40. Sur le... voilà. Okay, okay. Donc, t'es premier. Donc, je suis premier du 60. Ouais, génial. Clairement. Donc, celui qui était deuxième. Celui qui était deuxième au général, qui est très loin du coup, recule troisième. Et okay. Moi je reste à ma quatrième, mais le troisième passe deuxième. Donc, voilà, c'est cool si tu arrives à leur reprendre autant de temps sur une course comme ça. Ouais, je pensais pas. Ouais. Je pensais pas. Après demain c'est un peu plus long. Va bien falloir se reposer. Puis l'objectif c'est d'aller chercher le podium. On va pas se cacher là. Bah ouais. Faut y aller. Faut se cacher, il faut y aller. Ouais, ouais carrément. Bravo, je suis super content. Bah ouais, merci, ça fait plaisir. Greg, ça a été? Ouais, super, super. Franchement, c'était une course qui était vraiment du pur plaisir. On s'est marré, il y avait une bonne ambiance. Les gens dans la montée se parlaient pour s'encourager. C'était énorme dans les descentes. Les paysages étaient magnifiques. C'était dur physiquement. C'était dur, mais moi j'ai pris que du kiff. Et mon petit plaisir perso, c'est que dans les descentes, qu'est-ce que je me suis marré dans les descentes. Ouais, pareil, c'est rare aussi, moi j'ai pris vraiment plaisir. Ouais, je suis pas bon dans les montées, je suis pas bon sur le plat, mais dans les descentes, j'adore. Donc là, c'était une épreuve pour moi. Cool, serein pour demain. Ouais, serein pour demain, j'ai encore du gaz. Ok. Et à titre perso, c'est pas du tout quelque chose pour lequel je me suis lancé. Tu te rappelles sur le podcast qu'on s'était dit? Ouais. Mais il s'avère que j'ai remonté. Attends, que je te dise pas de conneries. Quasiment 100 places au classement. Ok. Donc écoute, pourquoi pas essayer d'être dans les 100 premiers. Ça joue. Ah, écoute, pourquoi pas, ce serait. Plaisir d'abord et top 100 derrière. Exactement, exactement. Je te le souhaite, c'est cool. Bravo, et Greg. Toi, ça va, Guillaume? J'ai meurflé, mais ouf. Ça a été hyper dur. Les formats courts, moi, ça me va pas et la température comme ça me déglingue. Ah ouais. Donc j'ai pêché de nuit, je suis plus de 2h. 2h? 2h10, 2h15 même. Je regarde juste parce que je regarde si Charlie n'arrive. Bon, bravo, à tout. Cool. Marine, trop facile? Tu viens d'arriver là? Il y a 10 minutes. Moi j'ai pris très cher. Ah, t'as pris très cher? Ouais. J'ai pris un peu cher. J'ai pris un peu cher parce que je suis partie comme une balle.
Je suis partie vraiment en mood, allez, je cours, j'y vais. Et en fait, je me suis cramée. Jusqu'à la première montée, t'as envoyé, c'est ça? Et pendant la première montée, j'ai craché les poumons. J'étais vraiment pas bien. J'avais un peu la tête qui tournait et tout. J'ai mis 2-3 km pour récupérer, pour retrouver un bon rythme et tout. Et après, j'ai fini bien, tu vois. Okay. J'ai fini avec un souffle correct et tout, quoi. Mais maintenant, j'ai pas couru dans les montées. Hein. C'est corsé. Hein. Franchement, trop dur les montées là. Trop à pic en fait. Et la descente, t'as réussi un peu à envoyer. Par contre, j'ai envoyé dans les descentes, ouais, de ouf. C'est cool, hein, c'est ludique. Ouais, c'est, les descentes, c'est vraiment rigolo, ouais. Puis du coup, je passais un peu, je disais, allez Nico, mets-toi sur le côté. J'arrivais derrière et tout. Enfin, c'était marrant, quoi. C'est cool. Bravo. Dans les bonnes dispositions pour demain. Bah, je sais pas, j'ai super mal au genou. Il va falloir faire gaffe quand même. Hein, c'est... Donc, je sais pas, je vais voir. Okay. Peut-être me faire frapper, on va voir. On a un peu de temps là, c'est cool. Ouais. Bon, bonne récup. Bon, bah bravo, hein. Ouais. Je suis pas hyper fier, mais c'est fait. Ouais. One down. Ouais, c'était pas facile. Hein. Ah ouais, puis c'est beau. C'est non, cool, non, c'était pas facile, hein. Franchement. C'est dans le dur. Ouais. C'est pas du tout le genre d'effort qui me va, ça. Ouais, mais moi, tu vois, j'étais plus à l'aise presque hier. Hein. Ouais. J'ai tout donné. Je pense qu'en termes d'engagement mental aussi, comme j'avais tout donné sur hier, je pense que j'étais moins dedans là. Ouais, c'est dur après de se. Remobiliser. Ouais. Bon, allez, piscine. Allez, ouais, grave. À toutes. Salut Major, ça va? Salut Guillaume, ça va et toi? Très bien, alors tu t'es fait flasher visiblement à 17 km/h aujourd'hui sur l'étape 2, est-ce c'est que tu confirmes cette information? Franchement, je pense que j'étais à plus. Je pense franchement, dans les descentes, j'ai dû monter à 22. Ah, il y a une erreur sur le flash alors. Ouais. Non mais en vrai, si on peut avoir cette info, je serais très curieux. Je me suis mais éclaté sur les descentes. Mon truc, c'est la descente. C'était une grosse étape pour toi là aujourd'hui, c'est super bien passé? Ouais, tu vois, hier j'avais envie de vivre un peu, prendre le temps, de faire des rencontres, d'accompagner les copains et tout. Et aujourd'hui, j'avais envie de cavaler un peu. Et sur ce type d'épreuve, c'est franchement... Je dirais pas que c'est fait pour moi, mais c'est le truc qui est suffisamment ludique pour que je dépose le cerveau et que je m'éclate à le faire. Les descentes, elles étaient assez marrantes. Ah ouais, moi j'adore ça. Franchement, j'adore quand c'est un peu incertain, quand à tout moment tu peux te vautrer et tout. Franchement, ça me met dans une énergie de dingue parce que j'ai l'impression d'avoir 6 ans et de courir dans les dunes. Et ah ouais, je m'éclate à faire ça. La petite maison dans la prairie, c'est un peu qui cavale. elle se vautre par des cailloux. Elle se vautre. Je pense qu'elle se vautre. Ouais. Remplacée par des cailloux. Je pense que c'est moins agréable. Comme des lames de rasoir. Si on revient à l'étape longue d'hier, ouais. Ça a été une belle expérience. Comment tu l'as vécu? Tu avais déjà connu des formats de ce type. Ouais. Est-ce qu'elle a eu de particulier cette étape d'hier? Tu vois, si je devais dessiner une sorte de course parfaite, ce serait celle-là. En fait, j'ai kiffé parce que j'ai passé les 20 premiers kilomètres avec Charline et j'étais content de pouvoir passer du temps avec elle. Je sais que c'était un moment aussi important pour elle et entre amis, c'est cool de pouvoir se serrer les coudes. Et après, on a eu besoin chacun de faire notre bonhomme de chemin. J'ai fait 30 kilomètres, je dirais, tout seul, même si j'étais clairement pas tout seul, mais pas avec mes groupes d'amis. Et j'ai pu croiser des gens, faire des belles rencontres tout en cavalant et ça, c'est ce que j'aime, tu vois. J'ai eu un moment donné où j'ai vraiment switché entre le CP4 et le CP5. J'ai regardé donc au kilomètre classement. Entre 40 et 50. Ouais, là j'ai switché complet. J'ai regardé sur cette portion-là. Bah, encore une fois, tu vois, avec du dénive, j'ai regagné 70 places, je crois. Ok. Je marchais dans les montées et je cavalais dans les descentes. Je me suis mis des podcasts de motivation dans les oreilles, des trucs à l'américaine bien vénère. You're a winner. Ouais, you're a winner. You can do it. You don't stop until you... You never lose. Et vraiment, j'étais au taquet, quoi. Et là, je me suis envoyé. Et en vrai de vrai, je l'avais déjà vécu ce moment-là où tu déposes complètement, tu débranches le cerveau. Et je m'étais fait peur au Pérou là-dessus parce que j'avais fini complètement déshydraté. Il m'avait fallu 3 heures pour m'en remettre à la ligne d'arrivée. Et là, je suis arrivé au CP5, je te jure. Je croyais que j'étais sur la ligne d'arrivée. Je croise Goulven à ce moment-là. Et là, il me dit, ça va, poulet? Et je fais, ouais, on y va. Il me dit, attends, on s'arrête un peu. Et là, je lui dis, on est sur la ligne d'arrivée? Il me dit, non, on est CP5. Et là, je fais, ah merde. Et du coup, j'ai le doc Marine qui me dit, Greg, faut que tu prennes un coup de bouillon, tu vas voir, ça va repartir. Okay. J'ai le doc qui voit que je suis pas hyper, hyper lucide. Il me met un coup de bouillon. 5 minutes plus tard, j'avais retrouvé mes esprits. Manque de sel? Ouais, manque de sel, ouais, bah, en fait je cavalais. Mais je le sais, c'est bizarre hein, parce que je suis les rocos des trucs. Hein. Je prends plus de sel que ce qu'il faudrait, mais à chaque fois sur des étapes longues comme ça, et en fait il faudra que j'en prenne encore plus du vrai bouillon, machin. Et j'ai rebroché le cerveau et du coup j'étais avec Marine et Goulven pour la fin, c'était très très bien. Les deux derniers kilomètres, je les ai lâchés, j'avais envie de courir.
Et la ligne d'arrivée, hyper cool. Vous avez profité, donc il faisait encore jour, là j'ai échangé avec Marine ce matin, vous avez profité du coucher de soleil sur ce passage fabuleux à la fin. On a fini de nuit, mais on avait le coucher de soleil qui était magnifique, qui nous portait dans le dos, non c'était très 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 bien. Un petit coup de moins bien, un moment un peu moins simple? Ils l'ont eu le moment de moins bien, pour être très franc, c'est la première fois que ça m'arrive sur une course, mais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'aurais pu avoir 10 km de plus, je l'ai bouffé quoi. Ok. Ah je te jure. C'est bon signe ça. Ouais. Après tu sais, ça se trouve j'aurais fait 100 mètres de plus et j'aurais dit mais quel connard, je suis incapable. Prenez mais, du sel. Voilà. Mais j'ai eu un orgasme culinaire avec ce bouillon. J'ai l'impression que c'est comme dans les dessins animés quand Popeye il prend de l'herbe de l'épinard, il repart. Ça vaut 10 magrets de Rouen, c'est non, ça. Non putain ouais. Non c'était bien. La récup s'est bien passée après, t'as eu une nuit à peu près sereine? On a eu quelques intempéries de bus. Allez, vous avez une petite attente, j'ai attendu Charline, qui est arrivée 2 heures après. Donc vous êtes rentré à 1h30 à l'hôtel, c'est ça? Ouais, 2h20 à l'hôtel, ouais. Je crois. Okay. Ouais, c'est 1h30 à l'hôtel. J'ai dormi un peu dans le bus. Après, moi, c'est quelque chose que j'encaisse assez bien, tu vois, j'ai fini ma course, je suis au chaud, on me demande rien, je suis allongé, mon corps il récupère, je sais qu'il peut récupérer dans ces conditions-là. Tu vois, ce que je te disais quand on a fait le premier podcast, c'est là où il y a une grosse inégalité liée à l'âge, hein. Tu vois, t'as 35 ans, on peut te mettre dans un bus, on peut te laisser au froid, ton corps, de fait qu'il n'est plus à l'effort, il récupère. Donc j'ai tout de suite systématiquement une pensée pour mes aînés, pour me dire, ouais, eux ils ont besoin de meilleures conditions pour récupérer. Je généralise, mais je le sais, tu vois. Et en effet, dans le bus, il y en a qui râlaient un peu. Mais après, c'est une orga qui est complète et compliquée. Donc, ouais, les plans ont été bouleversés. C'est compliqué d'avoir que tout soit bien fixé. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, non, j'ai bien récupéré. J'ai pu envoyer sur cette étape 2. Et là, je me sens bien. Tu vois, décidé avant que ça allait se passer comme ça? Enfin, tu avais fait un scénario idéal où tu avais envoyé un peu plus que... J'avais fait un scénario. Je me la suis jouée. Dans ma tête, je ne suis jamais là pour une performance, encore moins pour un classement. J'essaie toujours de donner la meilleure version de moi-même sur une course. Et puis hier, en fait, en regardant quand même, en me lâchant un peu sur l'étape 1, de voir que j'étais passé de 367e sur le CP1, 365 au CP2 et finir 207, je me dis, bah tiens, j'ai réussi à remonter 170 places, pourquoi pas aller chercher des trucs quand je vais un peu à ma vitesse. Et aujourd'hui, je me dis, Greg, il va falloir être un peu malin dans ta manière de la gérer, parce que le coup classique, et c'est comme ça que... Ouais, on va parler tactique, mais pour l'avoir fait le half, je m'étais dit, c'est une épreuve en 3 étapes. C'est pas donner le meilleur sur chacune, c'est donner le meilleur sur le global. Donc je me suis dit, je vais pas me cramer, je vais donner ce que je peux dans les descentes, je vais gérer les montées, je vais gérer le plat, et surtout, je vais gérer pour garder du gaz pour demain. Et là, à l'heure où je te parle, j'ai pas d'ampoule, j'ai pas de courbature, j'arrive encore à bouger. Demain, j'ai encore du gaz et j'ai remonté. Là, j'étais au classement. T'es 159 là aujourd'hui. Tu es 159? Ouais. T'as fini 74 aujourd'hui. Ouais. Et donc, t'as repris 70 places? Ouais, 70 places. Ouais. Donc, écoute, demain, je vais être capable d'envoyer, je vais être capable de gérer, on va voir ce qui se passe. Ouais. Je serais pas mécontent de finir dans les 100 premiers, histoire de rajouter cette ligne à mon CV. Si jamais ça se passe, tant mieux. Si jamais ça se passe pas, c'est pas ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher une expérience humaine, et l'expérience humaine, je l'ai. Me dépasser un peu, venir chercher ce que j'ai dans les tripes, et ça, c'est cool, tu vois. Donc, pour l'instant, que du gros positif. Dans les meilleures dispositions pour demain? Ouais. Bon, même tout du long, hein. J1, j'étais dans de bonnes dispositions. Aujourd'hui, j'étais dans de bonnes dispositions. Demain, je suis dans de bonnes dispositions. Ça passe vite, là, c'est triste de se dire que c'est presque la fin déjà. Franchement, ouais. Dans moins de 24 heures, on remballe. Ouais, ça, c'est un moment qui est toujours difficile. C'est assez paradoxal de se dire, en fait, t'as pas envie que ça se termine. Ouais. Autant, tu sais, franchir la ligne d'arrivée du 1, franchir la ligne d'arrivée du 2, t'as envie que ça se termine. Franchir la ligne d'arrivée du 3, t'as pas envie que ça se termine. Et en même temps, t'as envie, tu vois, de te dire, putain, ça y est, je l'ai fait, quoi. J'ai un half dans les pattes. Et puis en même temps, littéralement, t'as pas envie que l'expérience humaine se termine parce que tu vis des choses fortes, Tu vois, les gens avec lesquels j'adore attendre sur les lignes d'arrivée, c'est génial. Ouais, c'est hyper émouvant. Ah ouais. Ça marche à tous les coups, là. Premier, dernier, ça marche. Les premiers, on les voit rarement. On les voit rarement. c'est génial parce que tu te rends compte que chacun court pour des raisons que tu ignores, mais il se passe des trucs sur les lignes d'arrivée. C'est hyper émouvant. On se donne rendez-vous demain? Yes! Objectif top 100? On se le dit, c'est la cerise sur le gâteau. Non, mais... on se dit objectif plaisir. Ouais. Objectif plaisir. Et si parmi le plaisir, il y aura un top 100, ben, je serai content. Et puis si jamais c'est pas le cas, je serai content pour tous ceux qui seront avant moi. Est-ce que tu peux nous parler des galettes de maïs?
que tu es en train de croquer. C'est très bon. Ouais. Bof. En attendant le dîner. Ouais. Bonne nuit Greg, à demain. Merci beaucoup. Salut, profite. Bye bye. Bye. Bonjour. You speak French or English? English. English, okay. Yeah. I come for my feet. I have some ampoule. I don't know how to say that here. Oh, yeah. On the right, on the left, and also maybe here. Yes. Back. Here as well. Yeah. Might be under the nail a little bit. Yeah. Shouldn't be that big. Yes. Not supposed to be that big. And it's beginning here, so. Yes. I see. Maybe okay. For. So can I have your stamp? 85. 85. So you are... Guillaume Lalu. Guillaume Lalu, yes, it's me. Yes. Thank you. On the left, right? Yes, and take a seat and wait. Okay. Thank you. Thank you. Alors, laquelle, c'était laquelle a fonctionné, celle-là? Il y en avait une qui était sous tension. En fait, on enlève les sérosités qui donnent de l'hyperpression et on injecte un mélange de sérosité pour garder la même osmolarité et des antiseptiques pour passer au sérosité. Ok. Bon, c'est un peu barbare, mais ça marche. Est-ce que ça peut être désagréable? Comment? Ça peut être désagréable ou pas? C'est un peu douloureux, oui. Okay. J'ai vu la dame. Il y a des gens dans rien, vous avez pas vu? Non, ouais, il faut aussi, ouais. Elle a fait un malaise. Ah oui, ok. Bon, après, il y, gens, il y a des gens sensibles, des gens qui sont... Non, mieux, je regarde pas, alors, je pense. Je suis un peu douillé. Ce désert, on se sent tout petit sur ces grandes falaises, on se sent tout petit sur cette île. Ouais. Et on se sent tout fatigué aussi. On se sent tout fatigué, mais bon, finalement, ta douleur, elle a... Qu'est-ce que c'est dans tout ce cadre? C'est pas grand-chose. Ouais. Quand tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es dit que t'allais faire qu'une bouchée de cette deuxième étape ou est-ce que tu l'as prise avec prudence et mesure? Alors... Elle est plus courte pour remettre en contexte, ouais. Elle fait que 13 km, donc quand on sort de 62, on peut se dire, être tenté de se dire qu'on a fait le plus dur et que c'est joué. Alors ce matin, je me suis réveillée pleine d'énergie, pleine d'entrain, et puis je me suis dit, c'est 13 km, j'étais un peu déçue, je me dis 13 km, ça va être une balade dans le parc, je me disais, ça va être la moitié de quelque chose d'intéressant, en fait. J'ai un petit peu sous-estimé cette étape. Vraiment, j'étais déçue. Je me dis, mais mince, où est-ce qu'il va être l'effort? Parce que 13 km, là, c'est vraiment beaucoup raccourci par rapport à ce qui était prévu initialement, 30 km. Et... La raison, c'est aussi qu'il n'y a pas la journée de repos après l'étape longue. Qui voilà. Fait que, voilà, on était tenu d'avoir une étape aujourd'hui, mais qui a été notablement raccourcie. Ouais. Et en fait, j'ai un peu sous-estimé cette étape. J'ai même pas vérifié ma poche de barre d'énergie. J'ai pris ce que je trouvais, je l'ai glissé dans mon sac. J'ai rempli mes gourdes. T'as couru en tongs? Enfin, qui est vraiment allé en touriste. Non, mais j'ai moins pris de temps pour me préparer, pour vérifier chacune de mes poches, qu'est-ce que j'ai, dans quelle poche. Résultat, je suis partie avec des poches vides. J'avais pas tout calculé assez bien. Donc c'est pas dans mon habitude en général. Je suis bien préparée. Et c'est vrai que les premières montées, c'est passé tout seul. Très bien. La descente s'est allée. On avait du plat, ça passait très bien. Et après, il y a eu des nouvelles montées, ça allait très bien. Et en fait, je me suis dit, je voyais le haut de cette montagne, et je me dis, ça, après ça, c'est la fin. Il n'y a plus de montée, c'est que de la descente. Bon, j'aime pas trop la descente, mais je vais y aller un pas après l'autre, je vais faire attention. Et après, j'ai vu derrière ce surprise. Pic, ouais, surprise, une autre. Montagne grosse bonus. Montée, ouais. Et ça, tu vois, c'est une leçon d'humilité. Et ça m'apprendra
Parce que j'avais tout donné toute l'énergie en me disant bah ça c'est la dernière montée donc je donne tout maintenant. Et puis ça c'est un peu dur pour le moral, il y a une petite seconde de flottement là peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a eu peut-être 5 minutes de flottement, je me dis comment je vais faire parce que j'ai vraiment donné tout le jus pour monter jusqu'en haut. Et puis tu vois cette nouvelle ça redescend, ça remonte mais bien. Et il y avait Peter qui était devant moi et ça m'a donné la cadence pour avancer de nouveau. J'ai redébranché le cerveau et puis une deux on ouais avance. Voilà, puis on avance, on a encore une fois les paysages incroyables, la vue sur ce col. Tu vois d'un côté le désert, de l'autre côté tu vois la mer. C'était fabuleux ouais. Ouais. Et l'arrivée sur la plage. L'arrivée sur la plage, on n'a pas couru sur la plage parce que pour moi, je perds plus d'énergie que ça en vaut la peine. Donc on n'a pas couru, mais à la fin, les 100, 200 derniers mètres, on s'est mis à courir. Et j'avais pas trop envie de courir, mais Peter, il m'a dit, allez, vas-y, on court. Et du coup, je l'ai suivi. Je pensais que j'avais pas l'énergie. En fait, j'avais l'énergie, c'était là. En fait, tu peux toujours aller plus loin, quoi. Et on a fini main dans la main. Plus tard, il m'a dit, je vais faire le saut d'Eddie Vedder. Tu connais Eddie Vedder? Ouais, le chanteur de Pearl Jam. Je vais faire le saut d'Eddie Vedder en passant. Le stage diving. Voilà, c'est ça. Donc, il a fait son petit saut d'Eddie Vedder en passant la ligne d'arrivée. C'était drôle. Et voilà, et donc on a fait nos 13 km qui étaient quand même assez physiques. Qui laissent des traces, ouais. Puis l'accumulation avec la veille, ça fait. Ouais. C'était vrai, moi aussi, je me suis fait surprendre par cette. Tu t'es fait surprendre ouais, aussi. Moi j'ai passé un moment difficile, ouais. Ouais. Bizarrement. Enfin, tu sais, l'étape est sur le papier courte, accessible, mais ça a été aussi très compliqué. Ouais. Et je pense que j'avais mis toute mon énergie aussi, mon focus mental, ma confiance sur l'étape d'hier, tu vois, qui était pour moi le gros objectif, et je pense que j'ai du mal à raccrocher les wagons sur celle-là. J'étais plus en souffrance, en plus à cogiter, ce qui est pas, enfin tu vois, ce qui est le truc que j'essaie de régler, mais qui était pas mal présent sur une étape comme celle-là, tu vois, où tu dis que tu vas pas arriver au bout alors qu'il y a pas de raison, tu vois, physique que ce soit le cas, mais sauf blessure. Ouais, c'est ça. Donc, mais faut que tu débranches ton cerveau. Ouais, j'ai réussi à le faire sur l'étape 1 et un peu moins sur celle-là, bizarre. Ouais. Je ferai en sorte que ça aille mieux demain. Donc là, demain, c'est la troisième étape. Mm-hmm. Au bout de 23 km, il y a une médaille à aller chercher. Ouais. Elle est à portée de main, là. Comment tu appréhendes l'étape de demain, sereinement? Sereinement, mais vraiment sereinement. Je me dis que le plus dur, il est derrière. Il était hier, il était aujourd'hui. Je pense que demain, demain, je vais vraiment profiter parce que chaque kilomètre que tu passes, c'est un kilomètre où l'aventure se termine. C'est un kilomètre plus proche de la fin de cette aventure. Et pour moi, vraiment, je profite tellement de ce half marathon des sables. Chaque moment de joie, de souffrance, de chaque rencontre, vraiment, j'en profite. Donc, du coup, mon esprit, il sera peut-être. Tu penses que tu pourrais être nostalgique aussi sur le parcours? Peut-être pas sur le parcours, mais peut-être demain soir, peut-être je serai nostalgique. Mais non, mais je vais ouvrir les yeux vraiment pour regarder, pour enregistrer tout ce que je vois dans ma tête, quoi. Pour vraiment garder ces souvenirs en moi, figer les moments dans ma tête. Voilà. Il y en a pas mal là dans la boîte à souvenirs déjà. Là. Ouais, il y en a on pas va mal. Engranger encore plein demain. Il y a pas mal, ouais. Bonne nuit, repose-toi bien. Merci, bonne nuit à toi Guillaume. On se donne rendez-vous demain pour la troisième et dernière. Ouais, ça marche. Salut Hélène. Salut. Il y a du relief, mais par contre c'est du sable. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est possible que ce soit du sable. Ah, ça compte double, ça, 23 bornes de sable. Ouais, je pense qu'il faut compter de l'en passer. Hein. Moi, je pense que c'est une étape de marche. Ouais. Ce sera pas une étape où on va courir. Hein, parce que t'as vu, moi, je sais pas toi, mais le peu que j'ai couru là-dedans. On est arrivé dans la première caisse, et moi, j'avais les mollets en feu.
Ah ouais, j'espère qu'il n'y a pas aucune vidéo qui traîne de mon arrivée sur le sable. Là, c'est honteux d'avoir aussi mal couru, quoi. Ah, moi, j'ai couru avec les bâtons au retour. Sur l'étendue de sable, j'ai sorti les bâtons, j'étais comme ça. Je sentais que là, j'avais besoin de mes bras. Parce que... Ouais. Mais c'est le mental. Moi, je suis trop friable. Là, je veux dire, c'est pas, je pars sur une table comme ça, je me dis que je ne vais pas la finir, tu vois, c'est pas logique. Mmh. Ça marche pas. Que, je vais te dire, je me suis dit la même chose. Moi, alors, je me dis pas, je vais pas la finir physiquement, je me dis pourquoi je suis là, ouais. Qu'est-ce que je fous là, pourquoi je m'arrête pas. Tu te poses des questions un peu à la con en début, et puis après. Mais je pense qu'il faut accepter le fait que bah, dans ta tête, tu as des idées qui passent et qui disparaissent, et qu'à un moment donné, il faut prendre la bonne et puis s'accrocher à celle-là. Ouais. Et moi, je prends les trucs, je calcule trop, tu sais, je suis trop les nez dans ma montre et tout. Et je me dis vraiment, littéralement, je peux me dire, j'ai fait 27% de la course, tu vois. Là, c'est bon, je suis à 32%. Là, il me reste la moitié de ce que j'ai fait depuis entre le CP d'avant et maintenant. Il me reste la moitié de ce que j'ai fait là, enfin, tout le temps. En fait, il reste tout le temps. En fait, quand tu décomposes comme ça, il te reste tout le temps la moitié de quelque chose. Enfin, tu vois, c'est, moi aussi, je compte c'est ça. Pas du tout. Moi, je comptais les. Je me disais, la première, je me disais, bon, 45, c'est les 3 quarts. Bon, je suis à 20, donc je suis à la moitié des 3 quarts. Enfin, tu vois, je Ouais, c'est ça. En essayant de grappiller des trucs, en faisant des fractions de trucs qui m'arrangeaient. Et quand tu dis là, les questions, quand tu dis pourquoi t'es là, moi, les trucs que j'essaie de me dire maintenant, c'est t'es là parce que t'as choisi, et puis t'es là parce que tu peux aussi, quand tu penses aux gens qui n'ont pas la capacité de se mouvoir comme on peut le faire. Enfin, tu vois, j'essaie de m'accrocher un peu à ces deux idées-là. Mais en vrai, je pense que j'ai pas envie de me décevoir, donc j'ai envie d'arriver, et donc je me fous une pression de ouf à arriver. J'ai pas de pression de temps, évidemment, mais et en fait, ça, je profite pas beaucoup, quoi. Hier, j'ai réussi à peu près. Parce que hier, je m'étais dit. Le paysage et tout, c'est tombé, moi, le paysage. Moi, si je suis dans le dur physiquement, je peux pas, quoi. Ouais. Enfin, si je suis moyen, je peux pas kiffer. Non, moi, je suis copie. J'ai du plaisir dans la souffrance. Ça, ok, je vois le côté un peu maso de ce plaisir-là. Ouais. T'es dans le dur, t'es dans ta. De pousser vraiment, de pousser, tu te fais mal et tout. Donc, t'as ce plaisir-là que je reconnais dans le sport et dans n'importe quel sport. Mais après, je vois plus du combat. Tu vois, moi, j'ai l'impression de me battre. Ah, c'est clair. Après, toi, t'as un rythme aussi. Tu vas vite, quoi. Donc, Mais je pense que le niveau d'intensité ressenti, c'est pas un rapport avec ta condition physique. C'est un rapport avec toi-même de dire je suis dans le dur. Je pense qu'on est. Ouais, je pense que c'est un truc de protection parce que notre corps, il peut toujours faire beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et donc, en fait, on se met des barrières. En fait, c'est la tête qui décide quand même beaucoup. C'est très tarte à la crème ce que je dis là, mais c'est quand même. C'est ça qui. Faut faire sauter les verrous, en fait. À demain. Ouais, à demain. Bonne troisième étape. Ça y est, c'est fait. Troisième étape bouclée et Alf bouclée. Les sensations ont été meilleures aujourd'hui. Dur sur la toute fin, là, les 5 derniers. Mais c'est fait. Et puis grosse ambiance là, avec l'arrivée, les retrouvailles, les câlins. C'est génial. On va en récupérer un peu. Ok. C'est parti. Ok. Salut Marine. Salut. On s'est quitté hier sur la ligne d'arrivée de la deuxième étape. C'est loin déjà. Ouais, c'était un moment de grande satisfaction pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter si on est sur la même lignée après cette étape d'aujourd'hui qui est la troisième étape, qui est l'étape finale, qui est l'étape de la médaille? Bah, satisfaction, oui, parce que je suis allée au bout de l'aventure et un peu au bout de mes capacités physiques quand même. Parce que j'ai les genoux là qui a bien souffert après la deuxième épreuve, qui a beaucoup gonflé, il m'a réveillée cette nuit plusieurs fois, donc j'ai pas hyper bien dormi et j'avais vraiment mal. Et voilà, du coup je partais avec un peu de stress, franchement. J'avais un peu la boule au ventre sur la ligne de départ et finalement ça a à peu près tenu. À peu près. Deuxième partie de course un peu moins simple, c'est ça, c'était une étape de 23 km aujourd'hui avec 100% de sable, donc on en a bouffé, on peut le dire. Oh, ouais. J'en pouvais plus du sable, je l'assure à la fin, mais je le maudissais ce sable. Et pourtant, au début, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que c'était beau, très très beau, vraiment très très beau. Le parcours sublime, des dunes, bord de mer magnifique. Enfin, franchement, cette immense dune là qu'on a pu descendre, moi je l'ai descendue à fond, moi en courant. vraiment, on se croyait dans le désert. Enfin, au Sahara, ou voilà, enfin, en tout cas, vraiment en plein désert, quoi. On avait cette sensation d'être perdu. Ça changeait pas mal par rapport à ce qu'on a connu sur les deux premières étapes, très rocailleux, très volcanique. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là sableux, quoi. Oui, c'était des paysages différents, donc ça faisait plaisir aussi d'en profiter et de pouvoir les admirer. Après,
effectivement, à 17-18 km, j'ai commencé à avoir vraiment des grosses douleurs dans le genou. Et la tête tenait ou pas? Ta mentale, ça t'a été en fait, la tête a tenu parce que j'ai pas abandonné, que j'ai pas non plus trop ralenti, mais ouais, j'ai craqué 2-3 fois sur le parcours où je commençais déjà, je criais, je pleurais, mais de douleur en fait, vraiment de douleur quoi. Et pourtant, c'est dommage parce que vraiment, je suis partie avec un très très bon rythme en alternant course à pied et marche avec les bâtons, ça m'aidait bien dans le sable. Donc marche dans les montées, tu courais un peu dans la plat montant. Oui, voilà, marche dans les montées et je courais sur les plats et les descentes. Et vraiment, j'étais super bien, j'avais une énergie à revendre. Je pense que l'objectif de la ligne d'arrivée, la perspective de finir ce Half Marathon des Sables m'avait vraiment donné beaucoup d'énergie dès le début. Mais voilà, après, quand t'as les douleurs, d'un coup, ça devient compliqué quand même. T'as couru en partie en équipe, en tout cas accompagnée, c'est ça? Sur la fin, en tout cas? J'ai couru, au début, on va dire les deux premiers kilomètres accompagnés. Après, les hommes sont partis devant, bien sûr, ils avaient plus d'énergie. Et oui, tu sentais qu'ils avaient envie de performer, en effet. Mais ça ne m'a pas dérangé en fait, j'étais dans mon rythme, j'étais vraiment très très bien avec ma musique, j'étais dans mon truc. Et après j'ai retrouvé Claude Henry du coup de la Team Orange à peu près je pense 15-16 km et j'ai craqué pas longtemps après. Et heureusement qu'il était là parce que vraiment il m'a poussé, il m'a vraiment encouragé et en même temps il s'est tu aussi. Il faut savoir se taire dans des moments comme ça aussi, ouais. Ouais, c'est très important. Franchement je l'ai trouvé assez fort dans sa suggestion de Marine version dark. Ouais. En difficulté. Il m'a vraiment poussé quand il fallait, il m'a donné un peu plus de rythme alors que parfois j'avais envie d'arrêter ou de faire une pause. Et heureusement qu'il était là parce que du coup on a quand même fini en un peu plus de 3 heures, mais du coup on a fait quand même un beau temps quoi. Ce qui est bien, ouais, très beau temps. Et ton ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée, ça a été une émotion particulière? Ah ouais, ça a été un soulagement énorme pour mon genou en fait. vraiment, solidarité j'en genou. Pouvais plus. Ah mais tu sais, c'est quand t'arrives à ce stade où le moindre pas est une souffrance. Ben, la ligne d'arrivée, c'était fini. Tu vois, j'ai pas voulu faire un pas de plus. C'était terminé. Voilà, j'aurais pas fait 500 mètres de plus. C'était pas possible. Donc c'était un immense soulagement. J'ai complètement craqué. Je me suis laissée aller dans mes émotions. Et c'est vrai que c'était aussi de la joie de pouvoir terminer cette belle aventure tous ensemble aussi. Parce qu'encore une fois, on a partagé en fait avec nos camarades de sueur et de souffrance. Et c'était beau. Ouais, et de la fierté aussi, j'imagine, quand même. Ah ouais, ce serait légitime. Ah, bien sûr, de la fierté d'être arrivée au bout à peu près entière. Et je sais pas si tu le sais, mais tu es 50e féminine en plus, dans le top 50 des femmes. Ah oui, bah je savais pas, j'étais pas sûre de mon classement. Je savais que j'étais remontée un petit peu, mais j'étais pas sûre. Ouais, t'as repris les places, t'as fait des belles étapes hier, aujourd'hui. Enfin, la première s'est bien passée aussi, mais t'as repris pas mal de places. Ouais, hier. Sur l'étape 2 et 3. Ouais, hier j'en ai pris une cinquantaine et aujourd'hui j'en ai repris. Quinzaine au général et 10 du coup sur les femmes, donc ouais, c'est bien. Bravo. Non, je sais pas contente. Si tu te rappelles, c'était il y a 10 ans, j'ai l'impression, mais non, c'était il y a 3 jours. Je t'ai fait enregistrer une petite time capsule dans laquelle je te demandais comment tu imaginais vivre cette aventure. Souviens-toi, à ce moment-là, on savait pas que les étapes allaient être annulées, on n'avait pas vrai, tout ça, tout ça en tête, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Donc voilà ce que tu m'avais dit à l'époque. Il y a beaucoup de vent, j'espère que tu m'entends. J'espère vivre une belle aventure humaine. Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse en priorité. Et j'espère me découvrir une autre facette de moi. Encore plus combative, je dirais. Alors, plus combative, la Marine l'orphelin d'après HMDS? Oui. Sans aucune hésitation, oui. Tu t'es prouvé beaucoup de choses? Parce que j'ai quand même eu des petites galères avec ce genou et des douleurs et... Et pourtant, à aucun moment j'ai pensé abandonner ou j'ai pensé que je serais incapable. Au contraire, j'étais plutôt à me dire, quoi qu'il arrive, j'arriverai au bout de chaque étape avec mes ressources, celles que j'aurais pu puiser. Et non, je me suis trouvée plutôt combative, ouais. Peut-être que je peux faire mieux encore. Ça y est, tu t'es prise au jeu. Ouais, c'est ça, pardon. Et une image que tu retiens de ce HMDS, il y en a beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'il y en a une qui te vient particulièrement en tête?
L'arrivée finale, quand même, c'était très très fort en émotion. Parce que j'étais au bout de ma tolérance et moi, j'étais vraiment arrivée au bout de moi-même. L'arrivée de la longue aussi, ça a dû être, non ? Et l'arrivée de la, ouais, l'arrivée de la longue dans la nuit, c'est vrai que c'était quelque chose. C'était plus de l'endurance pure, tu vois, vraiment, où tu te dis, mais ça n'en finit jamais. Tu sais, cette sensation de que tu n'arriveras jamais au bout. La première, je l'ai vécue comme ça. La deuxième, beaucoup plus intense. Et la troisième, beaucoup plus de souffrance. Donc voilà, les trois étapes ont été complètement différentes. Hein. Mais c'est vrai que l'arrivée finale, elle a quand même un goût... Une saveur toute particulière. Ouais, une saveur particulière et un goût vraiment agréable. Ton prochain projet sportif, Marine ? Oh, alors là, j'en ai aucune idée. Ouais. T'as envie de quoi ? Tu sais pas, peut-être là, tu disais... J'en ai aucune idée. Je me disais, si je suis en forme, dans 10 jours, faire le 20 km de Paris, bon, je sais pas, ça dépendra un peu de l'état de genou. Ce que veut dire Monsieur Genou, ouais. Et non, après, il y a plein de jolis trails en Nouvelle-Calédonie, il y a plein de jolies courses qui me permettraient de découvrir l'île, donc j'aimerais vraiment en faire quelques-unes cette année. Et puis on discute avec la team aussi de repartir sur une autre aventure. Donc avec peut-être un bivouac cette fois-là. Je ne sais pas si c'est dans le projet, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une partie de l'aventure qu'on n'a pas pu vivre par la force des choses. Complètement, j'étais hyper déçue de ne pas vivre ce bivouac et c'est vrai que ça change l'aventure. Donc voilà, on est en discussion pour... Il y aura des projets, on ne s'inquiète pas. La Jordanie, ah ouais. Peut-être d'autres destinations qui vont ouvrir. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Ça sera la surprise pour plus tard. Voilà. Merci Marine, ça a été un grand plaisir de partager ces quelques jours avec toi, ces étapes. Bravo de t'être dépassée comme ça. Ça fait une super belle course. Bah, toi aussi, hein, bravo. Tu ramènes une belle médaille à la maison. Et puis, bonne continuation, on se dit à bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir, peut-être sur d'autres courses. Avec grand plaisir. Salut Marine, merci beaucoup. Bye bye. Good ? Ouais. Un peu de vent. Ouais. Salut Greg. Salut Guillaume, ça va ? C'est fait ? Ouais, c'est fait. Cette troisième étape ? Écoute, troisième étape, je me suis fait un tout petit peu surprendre sur la fin parce que si tu m'avais demandé jusqu'au 10e kilomètre comment je me sentais, je t'aurais dit « Ah, j'en ai vraiment sous la pédale, j'aurais pu envoyer plus fort sur les premières étapes et là je me sens bien » et en fait les 5 derniers kilomètres, je les ai eu vraiment durs. Mais finalement, c'est quasiment le seul moment où j'en ai bavé, mais tu sais, le moment où tu dis Donc écoute. J'ai eu exactement la même chose. Au kilomètre 17, là, j'ai regardé ma montre, je fais non, je pensais pas du tout. Ouais. Je pensais être au kilomètre 20 là. Ouais. C'est le sable ? Non, l'hydratation. J'étais à court d'eau, j'avais très chaud, je transpirais beaucoup, je sentais que j'avais du mal à thermoréguler. Mi soif, mi pas envie de boire, mi faim, mi pas envie de bouffer, tu sens que ton corps il veut plus trop. Et puis les jambes lourdes. Donc vraiment, tu sentais que mon corps il disait c'est bon, on peut s'arrêter là, on a compris le principe. Merci, fin du game et on arrête là. Il t'a dit quoi ton corps et ton esprit ? T'ont dit quoi au moment où t'as franchi la ligne ? Je suis content d'être là. Ouais. C'est assez intéressant. Je dirais pas que mon sentiment premier ça a été de l'émotion. C'est de la reconnaissance. En vrai, c'est de la reconnaissance. C'est bravo de t'être accordé ce temps-là. De la reconnaissance. Quand on s'était parlé le premier jour, le dimanche, le projet du HND, c'était assez différent de ce qu'on a connu finalement, puisque la tempête n'avait pas encore fait tous les ravages qu'on pouvait imaginer, et puis la course, on n'avait pas imaginé qu'elle puisse prendre une telle configuration. Donc je t'avais demandé ton sentiment sur ce que tu t'attendais à vivre. Ouais. Donc, je te propose de réécouter ce que tu m'avais dit à l'époque. Ouais. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on va arriver à entendre quelque chose. Okay. Et que tu me dis si c'est réellement ce que tu as trouvé ici. Ok. Je pense que je vais la jouer sur l'expérience. Je vais probablement beaucoup moins courir. Je pense que je vais avoir un temps qui sera beaucoup plus élevé que la première fois. Parce que je vais être beaucoup plus dans la gestion. En plus, on est sur un parcours qui est inconnu. Probablement avec des difficultés de terrain qui va faire que je vais sûrement en garder sous le pied, à mon avis, jusqu'aux deux tiers de l'épreuve. Donc, je vais me gérer. Je me laisse la possibilité au bout d'un moment que j'en ai plein le cul de tout et je commence à accélérer, mais à mon avis je serais pas capable de tenir sur le long terme. Ce que je vais chercher c'est des expériences humaines avant tout parce que je sais que c'est ce que j'avais préféré la première fois. Peu de chance pour que j'ai un pépin physique, mais je sortirai de là en disant à mon avis j'en ai eu plein le cul, c'était dur, c'était très long,
parce que ça va être long. Mais je suis très content de l'avoir fait parce que pendant l'espace de 4 jours, j'étais complètement ailleurs et j'étais vraiment dans l'instant présent. Dans le positif comme dans le négatif. Donc j'y vais pas pour un temps, j'y vais sur de la gestion, sur des rencontres humaines. Et probablement ce que je vais le plus garder de ça, ça va être des sensations un peu éparses de paysages, de difficultés de terrain, de paysages qui vont être très très modifiés par la météo et qui vont, tu sais, quand parfois tu vois le ciel, tu vois des lumières et tu te dis waouh, je suis vraiment sur la planète Terre. À mon avis, ça, on devrait l'avoir. Sur des fous rires sur les camps, sur des confessions sur les camps, sur des moments forts avec des humains que je recroiserai probablement jamais. Je vois quasiment plus les épreuves comme des toiles de fond et des expériences humaines. Intéressant, hein? Tu avais lu l'avenir ou pas? Partiellement. Partiellement. Ouais, je réagis sur la fin, tu vois, de dire les épreuves vont être des toiles de fond pour des expériences humaines. Ben, en fait, les épreuves ont été les expériences humaines, puisqu'on n'a pas eu le bivouac et du coup, il y a eu moins ces moments de confession. Mais cependant, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de... Pas tellement sur la première étape. Parce que la première étape, je le sentais pour l'avoir déjà vécu, les gens avaient peur en fait. Les gens avaient peur, ils parlaient peu parce qu'ils étaient concentrés. Et c'est là où je me suis rendu compte que le half, c'est une épreuve très particulière et que ce que j'aime, ce sont les épreuves à étapes. C'est qu'en fait, les épreuves à étapes permettent, jour après jour, course après course, de créer du lien entre les coureurs. Tandis que quand tu cours sur une seule journée, bah en fait, tu vis certes intensément, mais sur une seule course. Donc t'as pas forcément le temps de créer du lien. Et donc sur cette première étape, les gens étaient un peu plus dans la peur, dans la gestion. Et sur l'étape 2 et sur l'étape 3, il y avait beaucoup plus de liens, beaucoup plus de liens entre les personnes. Ouais, sur les paysages, en effet, ça clairement, le paysage c'était magnifique. Et des endroits très variés, on avait sur l'étape 1, la dernière boucle, tu te dis putain mais où est-ce que je suis. Puis sur l'étape 2, dans les montagnes, t'es en pleine Méditerranée et puis dans l'étape 3 dans les déserts le sable, ouais, c'était Sahara, ça c'était lunaire. Et puis ma première analyse par contre sur comment j'allais gérer la course, ça j'ai vu juste sur de la gestion, tu vois. Comme je t'ai dit, je pensais que j'allais craquer peut-être à un moment donné. Dans ma tête, au moment où je t'ai dit ça, je voyais l'étape 2 au jour 2 et l'étape 1, et du coup je me voyais exploser au cours de l'étape 2. Finalement j'ai explosé sur l'étape 3 sur la fin, ce qui est plutôt logique. Donc non, je dirais sur plutôt juste en vrai. Ouais, ouais. Juste. T'as eu le nez creux. Écoute, comme quoi ? L'expérience, sûrement. Le grand âge. Question jamais simple, s'il y avait un moment ou une image que tu gardes au chaud, là, que tu ramènes à la maison de ce HMDS, c'est plein de saveurs, plein d'émotions, plein de bruits, plein de moments, mais est-ce qu'il y en a une J'ai l'impression de m'être marré, mais non-stop. Je crois que c'est un sourire quasi permanent, en fait. Parfois extérieur, mais surtout intérieur. Même dans les tout derniers kilomètres de l'étape d'hier. Ouais, parce qu'il y a Raph, mon meilleur ami, qui m'a rejoint, qui m'a poussé un peu au cul. Et j'étais content d'être avec lui, tu vois. Et puis les bénévoles, putain, l'organisation qui te met mais une ambiance de feu. Ça porte. De feu, franchement. Tu te dis, ils sont bons, les gars, quoi. Ils sont bons, les gars, d'être toujours présents, y compris quand c'est dur. Surtout quand c'est dur, y compris bah, quand on a des intempéries qui fait que bah, tout est potentiellement niqué. Les mecs, ils gardent la foi pour toi, quoi. Donc, non, moi, j'ai été très... Pour le coup, franchement... Il m'en faut beaucoup pour être impressionné, mais s'il y a un truc qui m'impressionne, c'est quand les gens arrivent à mettre leur énergie ensemble pour faire sortir quelque chose de grand de situation merdique. Et là, moi, l'orga, c'était merdique. Les conditions à cause de la météo étaient merdiques. Ils ont réussi à sortir un truc de grand. Oui, il y a eu des problèmes. That's life. Enfin, il y a des problèmes en permanence. Et ben, malgré les problèmes, ils ont réussi à sortir les doigts du cul, à sortir un truc qui fait qu'on a pu courir. Il y a eu des couacs, tu vois, bah ouais, quand tu rentres à 2h20 du matin et que t'as attendu le bus pendant 2h lors de la première étape, bah j'y étais dans le dernier bus, hein, je l'ai vécu, bon bah ça arrive, tu vois. Ils ont salué notre résilience, mais c'est clair qu'on peut aussi souligner vraiment la leur et voilà cet esprit de corps et puis cette capacité à rebondir. Ouais, et puis je pense qu'il y avait un vrai truc où tout le monde se dit allez, on va dans le même sens, on va vivre un truc fort. Ça sert à rien d'être les coureurs contre l'orga et l'orga de subir les coureurs. Non, tout le monde a bossé dans le même sens. Et tu vois, quand tu vois les gens qui ont fait la teuf hier, tu te dis ok, bah, on va dans la bonne direction, quoi. La quatrième étape, elle était belle celle-là. Ah putain, j'ai ri du début à la fin. J'ai rarement fait une aussi bonne teuf. C'est un grand moment, ouais. Putain, ouais.
ce que tu as vécu de différent par rapport à ta précédente expérience sur la HMDS, il y a eu des écarts significatifs dans l'expérience ? Je suis pas du genre à comparer les choses parce que je trouve qu'il y a rarement du bon à sortir des comparaisons en fait. À part quand tu veux acheter du dentifrice ou tu vas prendre ton temps de les comparer. Comparer des expériences, il n'y a rien de positif. Je dirais que je les ai vécues pleinement pour ce qu'elles étaient l'une comme l'autre. Maintenant, sur certains points, peut-être que le Pérou était plus dur. Le terrain, le terrain principalement, et puis il y avait 15 km de plus au Pérou. Donc je dirais que le Pérou était plus dur. J'étais parti seul, donc j'étais pas dans le même état d'esprit, mais finalement... Et puis le temps a passé, là, tu vois, c'est... On va s'envoler, je pense, avant la fin de l'interview, ouais. J'ai l'impression. Je sais pas si tu vas m'entendre, mais beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'ont reconnu pour mon travail et qui me disent « Greg, c'est grâce à toi que je suis ici, ça c'est énorme. » Tu vois, moi, mon grand combat, c'est la lutte contre la sédentarité. Et quand j'ai des gens de 45 ans qui me disent « Greg, j'étais pas du tout sportif, puis j'ai suivi ton travail et puis t'as été une pierre sur mon chemin qui m'a dit « Bah, pourquoi pas me mettre sur le trail ?» Et puis finalement, je me suis intéressé au half. Et sur qui je retombe quand je tape le half sur YouTube ? Je tombe sur ta ganache avec ta préparation et ta course. Et je suis là aujourd'hui et je cours à tes côtés et je vois que j'arrive à te bouffer des kills, t'es content quoi. C'est la plus belle chose qu'on puisse te bah dire. Bah ouais, tu vois, de sentir que t'es un gravier, un caillou sur le parcours d'une personne pour qu'elle aille vivre des émotions, c'est génial quoi, c'est génial. Tu croules sous les projets, un des tout derniers dont tu nous as parlé dans notre échange en préambule, c'était la sortie de ton bouquin qui était un parmi d'autres mais qui était quand même une étape majeure de cette rentrée majeure. Pour toi. Ouais. Et ça se passe très bien d'ailleurs pour ton bouquin, c'est une super nouvelle. Ouais. Si on parle d'un point de vue sportif, est-ce qu'il y a des projets qui se dessinent là dans les prochaines semaines, prochains mois? Tu sais de quoi tu as envie ou c'est un peu prématuré? Me reposer. Non, c'est pas prématuré, c'est calculé, me reposer. Là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour la sortie de mon deuxième livre qui était intense. Le calendrier a fait que j'ai le half qui tombait à ce moment-là. Même si faire la promo du livre, c'est génial, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Le half, c'est génial, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je suis largement OK sur le fait de se dire, de temps en temps, mon corps et mon esprit ont besoin de rien aussi. Donc là, c'est repos. Et ne pas avoir d'échéance. Et juste de se dire, OK, c'était cool, j'ai vécu ça pleinement. J'ai des échéances à plus long terme, tu vois. Je vais avoir en juin... les championnats de France de jiu-jitsu brésilien qui est mon sport de prédilection, mais j'ai aucune ambition pour le faire, tu vois. Moi ce que je veux, c'est me préparer comme il faut pour y aller. Peut-être on parle vraiment de sport amateur, hein. C'est vraiment du sport amateur, même si c'est des championnats de France. J'ai aucune prérogative, j'ai rien, mais me dire, ok, bah, dans ma catégorie et à mon niveau, je vais essayer de voir ce que je peux faire. J'avais été il y a 5 ans en ceinture blanche 3e championnat de France. Mais encore une fois, c'est du sport très, très amateur. Et donc, pourquoi pas voir ce que je peux faire aujourd'hui en ceinture bleue. Est-ce que j'arrive à accrocher, pourquoi pas, un podium? En tout cas, c'est ce que j'ai en ligne de mire. Reprendre de l'assiduité sur un de mes sports de prédiction. Merci beaucoup, Greg. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était top. C'est un merci, grand Guillaume, plaisir. Pour ton invitation, ton assiduité. Tu t'es plié en quatre pour répondre à mon emploi du temps où je suis un coup à droite, un coup à gauche, jamais au milieu. Mais tu es toujours disponible, on a toujours réussi à le faire. Donc merci beaucoup pour avec ta dispo plaisir. Et bravo à toi parce que t'as quand même, on n'a pas parlé, mais t'as fini très fort. Ouais. Deux très belles dernières étapes et la première était aussi réussie. Donc ça fait un bilan très positif. Merci pour tout. Avec plaisir, Guillaume. Salut, merci à tous. À bientôt. Ouais. Allez, bye bye. Tu me diras quand il sort. Yes, ouais, semaine pro, je te ferai un message, bien sûr. Top, merci Guillaume. Merci à toi. Hop, je me rapproche un peu. Vas-y, Dorian, parle-moi de la météo. Lundi, ouais, moi c'est en fait à Koh-Lanta, ils nous ont appris comme ça. Okay. À réciter les jours de la semaine à chaque fois pour tester le micro. Okay. Réciter les jours de la semaine, c'est pour ça que maintenant je dis toujours lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour varier, tu pourrais faire dimanche, samedi. Ouais, ou janvier, février, mars. Ça peut marcher. Ouais, ouais. C'est vraiment innovant. ok, bah c'est parti. C'est bon, ça fonctionne bien. Ouais. C'est nickel pour moi. Hop. Salut Dorian. Salut, ça va? On est quel jour? C'est le jeu de quel jour on est? Alors. Tu sais que déjà l'autre jour, je sais plus quel jour on était, mais là il me semble qu'on est vendredi. On est vendredi. On est vendredi et le HMDS est terminé. Mission accomplie. Mission accomplie. Bigrement bien accompli, même on peut le dire. Ouais, ça finit par une bonne note. Je suis vraiment satisfait. Il y avait vraiment ce côté place podium à aller chercher qui faisait que ça,
ça a gardé le matin un certain goût pour la compétition. Le but, c'était pas de terminer, il y avait vraiment un petit enjeu. Donc jusqu'au bout, cet enjeu a été là, jusqu'au dernier kilomètre, et ça a donné beaucoup de piment à mon HMDS. Et, combien de minutes il te fallait reprendre ? Donc il fallait que je reprenne 1 minute 30 par rapport au troisième, un tchèque, Stanislav exactement. Et donc par contre, c'était pas un départ en ligne. Donc j'ai eu un peu peur de le louper et de pas savoir comment gérer, quelle intensité mettre. Ouais. Exactement. Donc tu as tout donné comme tu fais souvent. Ouais. Après, je vais pas mentir, j'ai été malin sur ce coup-là quand même. Je l'ai vu au départ. Donc je me suis dit, je vais laisser partir. Et donc j'étais à la fois malin et à la fois pas du tout malin. C'est que je le laisse partir en me disant, quand je le rattrape, j'aurai récupéré du temps. Et au lieu de le laisser partir 1 minute 30 devant en me disant, après j'ai plus qu'à rester avec lui et c'est gagné, je suis parti 1 minute après lui. Histoire d'avoir des calculs à faire et t'occuper pendant la course après. Du coup, je me suis dit, mon but c'est de le rattraper parce que j'avais peur qu'il soit trop loin et que je l'ai plus en ligne de mire. Et que du coup, j'arrive pas à caler mon effort sur le sien. Et du coup, j'ai pris qu'une minute. Le problème, c'est que du coup, une fois que je l'ai rattrapé, il me lâchait plus. C'était au kilomètre 5, hein, c'est ça ? Ouais, au kilomètre 6, je crois. 6. Et sauf qu'une fois que je l'ai rattrapé, bien évidemment, il m'a plus lâché. Et il s'est accroché et qu'il fallait encore que je lui mette 30 secondes. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je suis pas parti 1 minute 30 derrière ? Comme ça, j'aurais pu gérer mon effort plus facilement pour revenir sur lui. Mais du coup, ça a été une belle bataille. Et effectivement. Ça a été un mano à mano pendant très longtemps ? Ouais, je suis revenu sur lui, j'ai essayé de le doubler directement en faisant mon style, genre c'est pas moi, tu m'as pas vu. Bien sûr qu'il m'a vu, il s'est accroché directement, il restait derrière. Après j'ai ralenti, passé devant, je restais derrière, il y avait énormément de vent, donc il est grand, je m'abritais très facilement. Et je voyais qu'il accélérait vraiment pas vite, il gérait vraiment son effort. Et dès que je passais pour essayer d'en remettre, il suivait. Et après il en remettait une, donc vraiment un beau combat, vraiment chacun notre tour. Ça met de l'intensité en plus, là tu joues pas juste un chrono, là t'es vraiment au coude à coude, tu peux pas baisser la garde une minute en disant là je vais juste un peu lever le pied, là t'es sous pression constante quoi. Ça exactement. Doit être dur à gérer psychologiquement aussi ça. Ouais, après ça permet vraiment de rester concentré sur la course, ça passe du coup beaucoup plus vite. Et c'est vrai que lui il s'arrête pas au ravitaillement, peut-être parce qu'il a pas de gourde déjà, voilà, ça peut aider ou une petite. Et moi, c'est vrai qu'au ravito, je me suis arrêté, il y avait du monde. Donc j'ai crié pardon, pardon, vite. Parce que lui, il a vu ça, il a accéléré. C'est malin de sa part, c'est normal, hein, je critique pas du tout. Mais du coup, pendant que moi je remplissais ma gourde, il a accéléré. Du coup, il a fallu que je fasse vraiment un effort conséquent pour revenir et le recoller. Mais je l'ai fait avec assez de facilité. Donc ça me mettait un peu en confiance pour la suite. Mais c'est vrai que j'ai essayé de placer 2-3 accélérations et j'arrivais pas à le décrocher. Donc je me suis dit, il va falloir vraiment mettre un coup fatal. Et c'est vrai que c'est dans une descente où je suis en train de me surprendre sur ce HMDS. C'est vraiment là où je me surprends dans les descentes. Je suis vraiment à l'aise et j'arrive vraiment à bombarder. Et là, dans une descente bon en sable, hein, c'était pas technique, mais j'ai vraiment, vraiment accéléré. Il m'a suivi. C'était vraiment un sprint à ce moment-là. Et à un moment donné, il a pris 5 mètres, 10 mètres. Et je me suis dit que c'était le moment d'en remettre une, vraiment comme si c'était l'arrivée. Et au fur et à mesure, l'écart se creusait. Et je me disais, te retourne pas. Surtout, te retourne pas pour pas lui montrer que t'es fatigué, que t'es dans le rouge. Et tu étais dans le rouge ? J'étais dans le rouge, bien sûr. Sur un effort comme ça, on se met dans le rouge. Mais lui, il se met aussi dans le rouge pour me suivre. Donc dans les deux cas, en fait, il faut récupérer à un moment donné. Donc j'ai essayé de récupérer le plus tard possible. Un petit peu de jeu psychologique. Exactement. Très important de pouvoir créer l'écart. Et de derrière, lui montrer que t'es plus fort et lui psychologiquement de se dire bon bah j'arrive pas à le suivre, il est plus fort, donc de toute façon ça sert à rien que je continue de me dépouiller puisque de toute façon il est déjà parti, c'est qu'il est plus fort. Moi aussi j'étais dans le mal et bon au final j'ai quand même très bien creusé l'écart puisque je crois qu'au général il y a 4 minutes, donc je crois que j'ai dû lui remettre 4 minutes hier après la course parce que je me retournais pas, je bombardais, j'ai tout donné. Donc le terrain sableux à 100%, là, ça a été pour toi compliqué. Tu l'as géré comment par rapport aux autres étapes ? Enfin, tu avais déjà expérimenté au marathon de sable, mais hier, elle était intégralement en sable. C'était problématique ou tu as réussi à aller à la cadence à laquelle tu voulais aller ? J'ai pas kiffé. Vraiment, contrairement à avant-hier, il n'y avait pas de dénivelé vraiment d'un coup sur une grosse montagne en gravier ou quelque chose. C'était que des buttes de sable, ça redescendait, etc. Et du coup, jamais plat, jamais toujours un peu de dévers, un peu de descente, ça remonte, très très compliqué. Je trouve que c'était vraiment épuisant, dans le sens où nous, vu que tout se courait, j'ai absolument pas marché de la sortie. Et je l'ai trouvé vraiment vraiment épuisante cette étape, avec beaucoup toujours un vent un peu cassant,
dans la tête, etc. Voilà, je me dis toujours, moi, quand c'est dur pour moi, c'est aussi dur pour les autres. C'est vrai que j'ai du mal à mettre une foulée en place quand j'ai pas énormément d'appui. Je suis vraiment allé sur le bitume. Donc là, au terme d'intensité, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué à gérer. Mais écoute, ça s'est bien passé, donc je vais pas du tout... Donc tu as franchi la ligne, tu es en troisième position, tu es troisième du format long de ce HMDS. Ton sentiment au moment de franchir la ligne, c'est quoi ce qui a pris le dessus à ce moment-là? La satisfaction de faire un podium sur une course comme celle-là. Alors voilà, tout en restant dans le contexte, hein, voilà, c'est pas les Jeux Olympiques, hein, je l'ai encore dit. C'est pas non plus un top niveau mondial qu'il y a ici, mais ça fait toujours plaisir de batailler avec des Espagnols qui sont chez eux. La veille, je gagne l'étape sur le 13 km alors que c'est vraiment leur terrain d'entraînement. Donc ça fait plaisir, ça montre que je suis en forme, je suis là, je suis présent, je m'entraîne pour ce genre d'événement aussi. Et sachant que là, on était toute une équipe à venir, je savais que j'avais y avait de l'attente. Tout le monde voulait absolument que je fasse un podium et ça, moi, ça me met une pression mais plutôt positive, où je me dis je cours pour moi mais je cours aussi pour les autres, dans le sens où je sais qu'ils vont être fiers de moi, ils vont être super contents et on va bien fêter ça. Donc ça donne un supplément d'âme vraiment sur ces courses là où je me dis je suis pas tout seul à courir en fait. Les apprentissages sur ce HMDS, donc il y a eu la descente, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... enfin, est-ce que tu as découvert des choses, est-ce que ça t'a fait progresser sur certains aspects? Ouais, la gestion de la course sur le 62 km sur la première journée, que j'ai dur les 10 derniers kilomètres, mais même s'il n'y avait pas énormément de dénive, je fais quand même 5h55 pour les 62 km, donc une bonne moyenne, pas de crampes, pas de vomissements, je veux dire, donc une étape bien gérée, les jambes lourdes à l'arrivée, mais c'est normal. Puis un enchaînement avec vraiment des douleurs musculaires pour repartir, et voilà, le corps humain, comme je dis, il est incroyable, c'est-à-dire que on se lève le matin, on boite, on fait un petit footing juste avant la course, on boite, le top départ, on boite plus du tout, on fonce, tout va bien, et on franchit la ligne d'arrivée, on peut plus marcher, et on repart le lendemain. Donc encore une fois, ça montre que le corps humain est solide, et que moi, musculairement, j'arrive aussi à encaisser. Donc je pense que c'est de bonne augure pour la suite. C'est vrai que j'étais venu dans un bloc de préparation pour la Diagonale des Fous, donc j'aurais peut-être voulu faire un peu plus de distance. Mais si j'avais fait plus de distance, j'aurais aussi mis beaucoup moins d'intensité. Moi, l'intensité, ça me plaît d'aller vite, de courir et de donner le max. Donc je suis très content de ces 3 jours. Maintenant, Diagonale des Fous en perspective, on verra, ça va être un autre effort. Mais en tout cas, je pense que ces 3 jours m'auront fait du bien. Et en plus, aujourd'hui, j'ai bien récupéré. Là, je me sens bien musculairement. Donc, c'est plutôt positif. Les voyants sont ouverts. T'as une idée de ta moyenne horaire? Là, au kilomètre? Moi, je sais, j'ai la réponse. Aucune idée. Non, j'ai pas du tout. 10,85 km/h. Ok. Donc, c'est du 5, ça va être du 5-10, quelque chose comme ça. Ouais, mais tu sais, je m'en rends absolument pas compte. Moi, je me dis, c'est pas terrible de courir 5-10. En cumul, c'est quoi, 2005 de dénive, il y a eu, ouais, je crois, ouais, total, à peu près ça. Ouais, puis un parcours pas forcément. Et puis, facile, le terrain n'était pas bitume. Ouais, puis c'est surtout l'étape de 60 bornes, je pense, qui baisse un peu la moyenne. Probablement, mais c'est. Je crois que j'ai fait du 12, quelque chose, je crois, avant-hier sur le 13 km. Ouais, exactement. Voilà, non, mais en vrai, c'est vrai que je fais absolument pas attention aux moyennes sur le trail. Bien sûr, parce que c'est anecdotique, mais ça donne quand même une idée pour les gens qui nous écoutent, peut-être, de savoir aussi, au-delà du podium, quelle est la vitesse à laquelle tu as pu aller pour finir sur le podium. Ça pèse un 5-15 qu'il faut tenir sur 100 bornes. Ouais, avec puis avec le sac à dos quand même, même si c'est vrai qu'on a eu de la chance qu'il était allégé cette année, il y a quand même le sac à dos qui est là et qui gêne un petit peu quand même au niveau de la foulée, ça fait toujours des petits points de compression sur les épaules notamment. Mais en tout cas, très très belle aventure, franchement, à l'arrivée. Moi, j'ai la chance d'arriver souvent dans les premiers, du coup j'ai l'occasion de voir tout le monde arriver. Beaucoup de sourires, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, et franchement, c'est assez incroyable. Et je suis très content d'arriver, de pouvoir prendre tous ces finishers hier dans les bras, parce que pour beaucoup, et je le conçois et je l'entends totalement, c'est presque l'épreuve d'une vie. Ils n'ont jamais autant couru et je les respecte énormément. J'en ai beaucoup parlé avec tous les gens qui viennent me féliciter pour mon podium en me disant c'est incroyable ce que tu fais. Et ben non, en fait, à la limite, moi j'ai du mérite à m'entraîner tous les jours pour être performant sur ce genre d'événement. Mais le mérite aujourd'hui revient à ceux qui courent très peu et qui viennent se lancer des défis comme celui-là et de claquer 100 km en 3 jours alors qu'ils n'ont jamais fait un marathon et qui finissent, mais vraiment. Comme ils peuvent, en boitant, mais vraiment au mental, avec un moral de fou, et surtout un grand sourire.
et une satisfaction personnelle. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus incroyable. Et moi, je suis content du coup de partager ces événements pour ressentir ces émotions avec eux. Vraiment. Un grand bravo, oui, effectivement. Ouais. C'est très important aussi de souligner le dépassement chacun à son échelle. C'est exactement ça qui est important. Et je le dis souvent, en fait, la réussite, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et moi, l'objectif, c'était de faire un podium. Si j'avais fait 10e, j'aurais été déçu et j'aurais dit que je ne suis pas content. Alors certains m'auraient dit « Ah mais si, c'est trop bien, 10e », mais ce n'était pas à la hauteur de l'objectif que je m'étais fixé. Donc quand les gens se fixent un objectif qui est de terminer, peu importe la place, puisqu'on s'en moque, mais de terminer, s'ils réussissent cet objectif, eh ben juste bravo à eux, ils ont autant de satisfaction que moi qui suis sur le podium. Une image que tu retiens de ce HMDS, c'est une question jamais facile, s'il n'y en avait qu'une. Franchement, les pleurs à l'arrivée de la dernière étape. Moi, j'ai accueilli Marine, j'ai accueilli Stan, donc Marine Orphelin, Stan Gruau, qui font un peu partie de ma team, etc. Plus plein d'athlètes qui étaient là et avec qui j'ai sympathisé. Et le voir le sourire à l'arrivée, de remettre leur médaille, on voit sur leur visage, c'est fini, ils ont réussi. Beaucoup d'émotions, des gens qui pleurent, ils savent pas pourquoi. Ça, c'est des moments indescriptibles et qu'on peut pas expliquer et qu'on sait même pas qu'on va vivre, puisque on se dit pas je vais arriver, je vais pleurer. Mais c'est tellement de fatigue ces 3 jours, c'est tellement de pression, la peur de pas réussir, etc., les encouragements des uns des autres qu'on croise sur les différentes étapes, que franchement c'est un super moment. Et puis voilà, après il y avait la soirée hier soir qui montrait que tout le monde était heureux, et ça bien sûr que ça fait partie. Tout le monde avait encore plein de ressources insoupçonnées. comme quoi tout le monde pouvait repartir, parce que sur le dance floor il y a eu beaucoup de kilomètres de fait, mais c'est très les bien. Les ampoules sont vite oubliées. Dans ces moments-là, on n'a plus de courbatures. Et non, c'est vrai que ça c'est des bons moments de vie, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette aventure. Tu l'as dit tout à l'heure, donc Dorian, l'avenir il s'écrit du côté de la Réunion, en tout cas ton prochain objectif sportif majeur. Est-ce qu'on peut parler d'objectifs déjà à ce stade-là? Est-ce que tu as les idées assez claires? Est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne maîtrises pas sur cette course qui te complique la tâche aussi pour toi te projeter vraiment dans un objectif à atteindre? Comment est-ce que tu appréhendes la course? Comment tu l'envisages? Je pense que pour la première fois, j'ai vraiment peur. J'ai peur de ne pas réussir parce qu'effectivement, je maîtrise absolument, j'allais dire aucun, mais bon, quelques-uns quand même, mais en fait, je connais pas. C'est vraiment l'inconnu pour moi. Et je parlais d'objectifs tout à l'heure que chacun se fixe. J'ai pas l'habitude d'arriver sur une course avec pour seul objectif de terminer. Parce que je m'entraîne et que je suis un compétiteur et que j'ai toujours des objectifs chronométriques, j'ai toujours des objectifs de place. Et là, clairement, c'est la première fois où j'arrive sur une course où j'ai absolument pas ces objectifs-là. Mon objectif, ça sera terminé. Et pour ça, il va falloir bien gérer. Il va falloir partir doucement et être très très prudent, et c'est pas dans mes habitudes, donc ça va être un gros paramètre à gérer. Et ouais, j'ai vraiment peur, parce que 170 km avec 10,500 de dénive positif mais surtout négatif, parce que c'est, on le sait tous, mais c'est le plus dur, c'est pas de monter, c'est de descendre. Ça me fait vraiment peur. Donc j'ai hâte, mais l'objectif, ça sera vraiment de terminer et d'aller chercher cette médaille de finisher. Et une fois que j'aurai réussi à passer ça, peut-être que je partirai sur des ultras avec un peu plus d'expérience et du coup des objectifs un peu plus élevés. Mais comme on dit, step by step, on avance par objectif. Et là, mon seul objectif, ça sera de terminer. Voilà, dans c'est les meilleures conditions. Objectif déjà. Voilà, on te donne rendez-vous donc au stade de la Redoute dans un mois. C'est quasiment un mois pile, là, on est presque. Non, ouais, c'est le 21, donc c'est dans 20 jours, semaines, je crois, 22, ouais. 22, 23 jours. Dans un mois, on pourra en reparler et je pourrai vous débriefer tous les moments. Alors, je m'attends à passer par des très, très mauvais moments. Je sais que l'ultra, c'est vraiment des moments compliqués à passer. Mais mentalement, je suis prêt. En tout cas, j'ai surtout très envie. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc j'ai hâte d'y être, et je pense que les Réunionnais vont nous faire un très bel accueil. On me dit que cette course est mythique, je la connais absolument pas, donc j'ai vraiment envie de vivre cette ambiance et de ressentir toutes ces émotions. Merci beaucoup Dorian pour ta disponibilité, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi, et bravo encore pour ce podium. Merci, merci beaucoup. De ces dernières heures, ouais. Il y a un t-shirt de finisher à aller chercher là, dans les prochaines minutes. On va y aller ensemble d'ailleurs. On va y aller ensemble, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est cool. Bonjour, ça va? Bien. Ça va bien? Et toi? Ouais, super, merci. Tout s'est bien passé? Nickel. Ouais? Nickel. Oh. Trop facile? Oui. C'est pas une tempête qui va te mettre par terre? Non, mais c'est un peu long là, tu vois, parce que 17h, nous on finit à 20h, on a encore Il vous reste encore beaucoup à distribuer, hein. Et quand même, ouais. Ouais. Quand même. Bonne fin d'après-midi. Merci. Bon, je vais aller récupérer tout ça. Voilà. Le t-shirt. Ouais, bah tu vois, tu l'as. La barre droite. Puis après,
Voilà. Okay. C'est bien, on est quand même tenu. Là, c'est bien, c'est confort. Ouais. Bon, merci pour tout en tout Je cas. T'en prie, à bientôt. Ouais. Là, M, je pense. 85. Yes, the baby. Thank you. You're welcome. I will just try to make sure it's the right size. Okay. Just to be sure. Excuse-moi, est-ce que je peux prendre L et pas M? Oui. C'est trop petit, M. Oui, mais nous pouvons faire la le sens. Après. Après, à 7h30. Ok, très bien. Parce que nous fermons à 8h. Oui. Ok. Merci. Gracias. Merci, merci beaucoup d'être tous là. Alors les remises des prix, parfois c'est un peu long, donc on va essayer d'être rapide. Mais j'ai quand même quelques petites choses importantes à vous dire. Je veux vous parler de vous parce que vous nous avez impressionnés, on vous a fait beaucoup de mal. On a lutté pour tenir cette édition, malgré notre ennemi Hermine, qui nous a vraiment posé de très nombreux problèmes. Vous avez souffert, non seulement pendant les étapes, pendant certains transferts. Je m'en suis excusé auprès de vous, mais véritablement aujourd'hui, j'aimerais que vous vous rendiez compte de ce que vous avez fait, de cette chose extraordinaire, de l'émotion pardon, et le courage que vous avez eu. Et franchement, là, j'aimerais qu'on s'applaudisse tous parce que vous êtes véritablement incroyables. Et la grande question, c'est de savoir comment vous avez réussi à battre le record minimum des abandons, moins de 2% sur l'ensemble des trois étapes. Et ça, croyez-moi, au regard des conditions, du stress, je ne sais absolument pas comment vous avez réussi ça. On a même cru que nos ordinateurs se trompaient lors des étapes. Donc véritablement, bravo à vous. Alors, nous avons aussi une particularité sur le HMDS, c'est que nous sommes la seule course d'ultra au monde à avoir le bonheur d'avoir 52% de femmes. Mesdames, merci pour toute cette douceur et cette force. Merci. Un, deux. Oui, je fais une petite approche là. Non, non, c'est chouette, mais là, tu es proche de moi. Je suis dans la zone, comment s'appelle cette zone là, tu sais, un peu de sécurité dans laquelle... La fighting zone. Ouais, okay, c'est ça, je suis en plein dedans. Salut Cyril, je suis ravi d'échanger avec toi. Tu es le créateur et l'initiative du Half Marathon des Sables. Ça a été une année assez mouvementée puisqu'il y a une des participantes qui s'est invitée à la course qui n'avait pas de dossard et qui s'appelle Hermine, qui a un peu chahuté le programme. Est-ce que tu peux nous parler de cette chère Hermine et des conséquences que ça a eu très concrètement pour l'organisation? Alors écoute, moi je suis le créateur, mais c'est une création qu'on a partagée quand même avec Patrick Boyer et Marie Boyer. On était trois à créer le concept. Après effectivement, c'est moi qui l'ai développé. Et puis cette concurrente, effectivement, je ne l'avais pas vue comme ça, qui est assez extraordinaire, qui est Hermine, que j'ai détestée dès le début. Qui au début était une tempête, qui n'était pas vraiment un gros problème, est devenue vraiment, vraiment dangereuse. Ça s'est tombé samedi sur les téléscripteurs, et puis c'est allé de mal en pis, d'une alerte orange, on est passé le dimanche à alerte rouge. Je peux me tromper dans les jours, parce que si tu veux, on a manqué de sommeil. Et Hermine, eh bien, elle a détrempé complètement Fuerteventura, qui pourtant a été une des îles les moins touchées, parce qu'elle partait plein ouest, et donc c'était, je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé à Gran Canaria, on a eu beaucoup de chance, sauf qu'à Fuerteventura, il pleut quasiment jamais. Le dernier ouragan, c'était Delta en 2003, que rien n'est fait pour évacuer les eaux, et donc on s'est retrouvé dans une situation où tous les itinéraires tracés, où toute la programmation de ce qu'on voulait faire pour le HMDS a été remis en cause. Donc on a dû réécrire l'histoire, refaire un scénario, et les changements de temps en fonction du déplacement de l'ouragan nous ont obligés à réadapter les itinéraires, pas toutes les heures, mais les pisteurs n'ont fait que travailler du samedi au lundi, et le lundi on tenait à peu près des itinéraires qu'on a dû faire rebouger avant même le départ du mardi matin. Donc c'est pour te dire que ça a été une galère pour les équipes d'organisation absolument totale. Par quoi on commence quand on est dépassé par cet événement-là qui est imprévisible? C'est quoi la première chose qu'on doit faire? La première chose, c'est très simple. C'est de se dire, si on prend la décision de faire l'événement, il faut que la sécurité soit au rendez-vous. Donc, quand tu traces un itinéraire, même s'il est beau, il faut impérativement que l'équipe médicale puisse intervenir. Donc, tous tes itinéraires ne dépendent que d'une seule chose. Un coureur a un problème, est-ce que je peux intervenir rapidement? L'annulation de la course, elle a été sérieusement envisagée? Ah, plus que sérieusement. Puisque la facilité, c'était d'annuler. Beaucoup, à l'intérieur même des équipes, étaient pour. Et ils avaient raison,
dans le sens où il y avait véritablement beaucoup de paramètres qui auraient pu nous faire passer à côté de la réalisation de la course. Évidemment, les éléments extérieurs aussi, les autorités, enfin toute cette conjonction de personnes en se disant « mais pourquoi faire une course finalement ?» Le principe de précaution s'appliquant, beaucoup disaient « il ne faut pas la faire ». Par contre, moi j'ai soutenu la thèse que si la sécurité est au rendez-vous, on pouvait la faire. Mais il a fallu accepter de ne pas dormir, de passer un temps de fou pour reconstruire un modèle. Les ingrédients qu'il faut avoir pour tenir la promesse à HMDS, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fallait absolument préserver ? Alors ce qu'il faut préserver, c'est que les équipes gardent le moral pour justement se surpasser. Et je vais t'avouer que pendant toute cette semaine de folie, ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est avant la soirée de gala, quand tu as 750 personnes qui se lèvent pour te féliciter et t'applaudir, c'est le moment où tu as vraiment le cœur qui se serre et où tu te dis « je sais pourquoi j'ai fait ça ». La standing ovation prenait vraiment au trip hier, là, c'était très émouvant. C'est monstrueux et surtout que quand ils ont vu le film et qu'ils ont découvert ce qui se passait sur le terrain, ce qui était impossible de voir de chaque hôtel, où tu avais l'impression finalement, bon ok, il pleut, mais ils n'avaient pas l'impression que c'était une piscine et que c'est un swim and run qu'on allait faire. Donc nous, ça nous a touché. Je pense que le film a ému beaucoup de personnes parce qu'elles se sont rendues compte que ce n'était pas comme ils l'avaient imaginé. Ton rôle sur un événement comme celui-là, est-ce que tu pourrais nous le donner dans les grandes lignes ? Il a été largement mouvementé et avec l'imprévu, avec l'arrivée d'Hermine. Mais ton rôle au quotidien, tu vois, une journée comme hier où c'était un peu plus rodé, un peu plus calé, quel est ton champ d'action ? Alors écoute, moi généralement sur une course, on me voit très très peu. Le but n'est absolument pas de monter sur scène, d'expliquer, on a des équipes qui le font très très bien. Moi mon rôle, c'est en permanence de contrôler que tout fonctionne parfaitement et que je suis là pour finalement affronter les problèmes qui peuvent mettre en danger l'événement. Et mon rôle après, c'est d'aller au contact des coureurs pour essayer de comprendre pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment est leur émotion, pour essayer en permanence d'adapter les événements pour qu'ils retrouvent ce qu'ils viennent chercher. Est-ce que vous êtes tous sortis plus forts de cette édition ? Alors je pense que quelques-uns, je pense qu'il ne faut pas le nier, se sont dit que c'était vraiment pas cool. Mais dans la grande majorité, je pense que oui. On s'est rendu compte que même dans des conditions extrêmes, on arrivait à tenir. Il y a eu très peu de dissensions dans les équipes. Il y a eu une entente entre le médical et les équipes opérationnelles vraiment extraordinaires. Donc moi, oui, je pense qu'on sort vraiment renforcé et qu'on va aborder les prochains HMDS avec un coefficient de sérénité bien plus important. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement touché ou ému là, pendant les 400 derniers jours ? C'était un savant cocktail de beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué ? Alors écoute, le problème sur les HMDS, c'est que des histoires et des émotions, t'en as énormément. Moi, j'ai eu des choses assez nouvelles. J'ai eu des gens très agressifs qui, quand ils ont appris que ce n'était pas le HMDS pour lequel ils avaient signé, le fait qu'on n'ait pas de bivouac, ce qui fait vraiment partie de notre ADN, et vraiment, ils étaient venus pour un bivouac et leur fait de leur dire que les conditions de sécurité ne permettaient pas d'en avoir. Ils étaient vraiment très, très mécontents. Et donc, dans ces moments-là, il faut que tu trouves quelqu'un pour te libérer. Et en l'occurrence, c'était moi. Et donc, c'était vraiment très agressif. Et quand sur la ligne d'arrivée, ces mêmes concurrents qui avaient dit qu'ils ne prendraient pas le départ, qu'ils voulaient retourner chez eux, sont quand même lancés dans l'aventure, et que je les ai accueillis, et qu'ils étaient souriants, et qu'ils m'ont remercié en me disant qu'ils reviendraient pour découvrir le bivouac, là, je t'avouerai que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. On est dans le début d'un grand chelem. C'était la première des quatre majeurs qui t'attendent là d'ici la fin de l'année. Planning très chargé. Est-ce que tu peux nous projeter dans ce qui t'attend ? Parce qu'il y a trois gros rendez-vous qui arrivent à la fin de l'année. Et puis, je pense qu'il est possible que la famille s'agrandisse peut-être même à terme. Alors, écoute, effectivement, là, dans 15 jours, on est au Maroc, ce qui est pour nous le berceau du Marathon des Sables. Donc, on va prendre un pied énorme. Je pense que là, on a été préparé avec Hermine et je pense que le Maroc va être vraiment très cool. Donc, on a moins de coureurs parce qu'on a fait une communication très restreinte et ça me fait très plaisir. Donc, ça va être plus intime dans un lieu qu'on connaît parfaitement avec des équipes rodées qui connaissent le terrain. Juste après ça, on va avoir l'émotion de la Jordanie au mois de novembre où on a été stupéfait par le Wadi Rum et par cette folie qui est ce désert sublime. Les responsables opérationnels étaient même sur Fuerteventura pour apprendre et mieux comprendre comment on fonctionnait. Donc derrière ça, il ne nous restera plus qu'à boucler par le Pérou, qu'on connaît déjà depuis 2017, où là, c'est ces immenses dunes de 500, 600, 800 mètres.
Et là, je crois qu'on verra arriver Noël et on aura eu nos cadeaux. Ouais, mais t'as pas pris beaucoup d'avance de sommeil, en tout cas, là, cette semaine, on peut pas dire, là, avant ce sprint. Non, on a totalisé, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'heures de sommeil sur les 6 jours. Et là, mon vrai bonheur, ça va être de rentrer et de dormir une journée complète. T'as vécu un bel ultra aussi. J'ai vécu un bel ultra parce qu'on impose aux gens vraiment des difficultés compliquées. Là, on en a eu notre part, donc c'est bien, ça nous fait rester dans l'ultra. J'en profite pour te remercier aussi. Enfin, tu as salué beaucoup la résilience de tous les coureurs, leur engagement, leur passion, leur détermination. Voilà, tu l'as signalé tout à l'heure, mais sache que tout le monde a perçu aussi à quel point vous étiez investis collectivement pour faire front ensemble et puis qu'on passe un merveilleux moment. Donc voilà, je me fais le porte-voix de, je pense, beaucoup de coureurs pour te remercier, toi et évidemment toutes les équipes qui ont été fabuleuses. Ah bah écoute, ça me fait super plaisir parce qu'on fait ça que pour ça et que si ça a touché le maximum de coureurs malgré toutes les contrariétés, ouais, franchement, merci beaucoup. Ça se sent, vraiment. Merci pour tout, Cyril. Ah bah c'est adorable à toi. À très bientôt. Allez, à très vite. Salut Hélène. Salut Guillaume. Je suis un peu triste. C'est la dernière fois que je prends le micro avec toi. C'est la dernière interview de ces 4-5 jours qu'on a passé ensemble. On va clôturer ce podcast ensemble. Mais ça va être un bon moment encore, je le sais. Ouais, comme toujours. Sûr. Hier, c'était donc l'ultime étape, la troisième étape de ce Half Marathon des Sables. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as appréhendé et puis ensuite comment tu as vécu la course? On parlera un peu plus tard de l'arrivée plus particulièrement, mais voilà, comment est-ce que tu as vécu l'avant et le pendant? Alors l'avant, j'étais beaucoup mieux préparée que le deuxième jour en fait, que la deuxième étape. Et j'étais, en allant prendre le petit déjeuner, en fait, j'avais beaucoup de courbatures partout. Et puis quand je suis rentrée à ma chambre chercher mes chaussures, mon sac à dos, mais toutes les courbatures sont parties, mais vraiment je me suis mise en mode course et c'est fou parce que je sentais plus, enfin j'avais plus mal, j'étais hyper motivée et puis en fait j'étais tellement heureuse d'avoir fait les deux premières étapes avec mon mari. Je me réjouissais déjà de faire encore une étape de plus avec lui et puis finir tout ça en beauté. Il n'y a pas de place pour la nostalgie à ce moment-là, c'était vraiment la perspective de passer une belle journée encore. Ouais. Non, et puis j'étais concentrée. Quand je me concentre, il n'y a pas beaucoup, ça va, ça... Je laisse pas mon esprit se perdre, ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que avant, enfin le matin, j'étais un peu nostalgique, je me dis allez c'est fini après, donc profite à fond. Mais une fois que j'avais mis mon sac et mes chaussures et mes guêtres de sable, j'étais comme une autre personne. Donc ensuite, le bus, ouais, direction la ligne de départ, une petite quarantaine de minutes. Ouais, c'était sympa, c'est sympa de voir tout le monde, les gens qui sont... Je trouve que les connexions se font encore plus vite après 3 jours entre les gens, il n'y a plus aucune barrière, aucune gêne pour aborder les gens, c'est chouette. On a tchatché un bon moment ensemble aussi, c'était sympa comme toujours. On a beaucoup parlé de musique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc le départ a été donné vers 10h je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Sur la plage, donc voilà, c'est une étape qui était, on savait qu'on allait avoir 100% de sable sur les 23 km qui nous attendaient. Est-ce que c'était une source d'appréhension particulière pour toi, ce terrain-là? J'étais contente à l'idée qu'il y ait du sable parce que un marathon des sables, enfin un half marathon des sables, il y a sable dedans et puis s'il n'y a pas de sable ou pas assez, c'est un peu décevant. Et en fait, j'étais aussi, je savais que le terrain il serait pas non plus trop. On n'allait pas trop s'enfoncer non plus. On a eu la chance d'avoir les super. Le super coaching de Lucas Papi tout au long des jours qui il a beaucoup partagé. Oui, il a beaucoup partagé. Les gens partagent beaucoup
sur ce qu'ils ont déjà vécu. Donc c'est très utile d'avoir les le retour d'expérience des gens qui connaissent plein de petits détails en fait. C'est un ensemble de petits détails qui changent pas mal les choses finalement. Ouais. Et puis franchement, moi tous les conseils que j'ai entendus, même sans moi-même être impliquée dans les conversations, j'avais les oreilles qui traînaient. Et puis j'ai pris tous les conseils. je les ai rajoutés, donc pour la prochaine fois, je serai encore plus prête. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Mais donc. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai tellement envie qu'il y ait une prochaine fois, donc il y en aura une. Oui, voilà. Comment s'est passée l'étape pour vous deux? Alors l'étape, on est partis tous les quatre avec, non, tous les trois avec Pierre et Peter. Et Pierre, en fait, il est parti comme une flèche. On l'a pas vu le temps qu'on a juste nos guêtres. Pierre, il était déjà loin, mais. C'était vraiment chouette de voir la fusée. Pierre qui roule. Ouais, la fusée Pierre. Moi, j'étais encore mieux que les deux premiers jours. J'avançais bien. Peter aussi. J'avais l'impression qu'on n'avait plus de poids dans les jambes. Enfin, on a comme si on commençait juste la course ce jour-là, quoi. Donc. En plus, il y a une motivation d'aller chercher une médaille. Là, c'est pas une étape intermédiaire. Là, c'est vraiment la conclusion. Enfin, il y a vraiment cet objectif-là au-delà de finir qui est aussi bouclé. Enfin, c'est aussi très motivant. Ouais, ouais. Puis les gens sont partis en flèche et j'avais l'impression. Et puis après quelques kilomètres, ils ont commencé à ralentir. Ben, je pense que c'est le sable. Moi, j'avais la chance d'avoir Tic et Tac avec moi. Tes deux bâtons, je sais plus si on l'a dit dans le podcast, ouais. Qui s'appelle Tic et Tac. Tic et Tac. Et en fait, j'ai pu avancer et remonter petit à petit les gens. Même si c'était pas le but, hein, mais c'était sympa. J'ai croisé sur la route, mais par hasard, quelqu'un qui habite juste à côté de chez moi et que je connaissais pas, mais ma coach sportive, enfin de course à pied, m'en avait parlé et je suis tombée nez à nez avec elle et ça m'a motivée parce qu'elle m'avait dit « Ah, tu vas voir, elle c'est une championne !» Et j'étais vraiment contente d'être à faire un bout à la même allure qu'elle. C'était sympa. Et donc vous avez profité, c'était très joli hier. Ouais, alors on a profité et il y avait un moment, il y avait pas mal, enfin ça montait, ça descendait et puis dans les descentes, moi j'ai commencé à courir et puis j'ai croisé un Belge qui est là avec son fils, qui s'appelle Marc. Et il m'a dit « Allez Hélène !» et ça m'a donné des ailes et j'ai mis le turbo et je suis partie à toute vitesse. Et du coup, j'ai pas vu que Peter, qu'il avait des crampes en fait, et j'ai pas vu qu'il me suivait pas. Et au bout d'un moment, j'ai regardé derrière, il y avait plus Peter, et comme j'avais pas mes lunettes de vue, j'arrivais même pas à voir s'il était loin, pas loin. J'étais un peu... Donc j'ai continué à avancer et puis je me suis retournée, il était toujours pas là, je le voyais pas. Et puis... Vers la fin, j'ai commencé à flipper un peu parce que je voulais terminer avec lui. Je me dis, mais si ça se trouve, il s'est blessé. Et puis j'étais prise d'émotion, j'ai commencé à pleurer, à me dire, mais il est où? Et puis j'ai croisé des Suissesses avec qui on a sympathisé et qui m'ont dit, ah, mais il doit être 10 minutes derrière. Et puis je me dis, mais mince, que ça se trouve, il s'est fait mal. Et en fait, il était juste une minute derrière et je l'ai retrouvé tout de suite et on a fini. On a rattrapé Pierre le dernier kilomètre et on a fini ensemble en courant, mais comme des ânes. c'était super, quoi. Vraiment, c'était un bel effort. On s'est accroché les dernières quelques centaines de mètres et puis on est passé dans cette arrivée. C'était un sentiment incroyable. Et puis là, ben, l'émotion nous a submergés. Mon mari et moi, on était comme deux enfants à pleurer, pas parce qu'on avait souffert, mais pleurer de joie, de tout ce qu'on avait vécu ensemble. Au départ, on n'avait pas prévu forcément de tout faire tous les deux. Parce que moi, je voulais pas que l'empêcher ou le limiter dans son
dans son accomplissement sportif, ouais, et si lui voulait aller à une autre allure. Et puis en fait, ça s'est trouvé que tous les deux, au fil des courses, nos niveaux se sont lissés et accordés, et donc on a tout fait ensemble, donc j'étais très contente. Qu'est-ce qui t'a appris sur toi, ce Half Marathon des Sables ? Alors en fait, il m'a appris que j'avais une force encore plus forte que je pensais, et puis ça m'a vraiment... je savais que j'avais la tête dure, mais j'ignorais que j'avais cette force en moi. Donc je pense que chacun doit avoir cette force qui cachée, qui sous-estime. Et puis franchement, s'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le niveau, il suffit de s'accrocher, persévérer. Et puis quelque chose d'autre que ça m'a apporté, cette aventure, c'est vraiment des belles rencontres avec des gens, des beaux moments de partage avec tout plein de monde, vraiment. On a fait des câlins à tout le monde en arrivant. Tournée de hugs. Ouais, tout le monde se fait des câlins en arrivant, tellement la joie est immense, tellement les gens sont contents, et aussi se rendent compte que ils vont plus se revoir après, donc c'était très beau, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, on avait figé une petite time capsule sur laquelle tu me racontais ce que tu imaginais. Tu l'as un peu raconté là, le ressenti. Est-ce que tu vas me dire si c'était précisément conforme? Je vais te la faire réécouter là tout de suite, ouais. Si c'était vraiment la réalité de ce que tu as vécu. Alors je m'attends à rencontrer des gens intéressants, et je m'attends à nouer des liens, parce que dans l'effort, on on se retrouve aux mêmes allures que d'autres personnes, et puis on noue des liens, on se soutient, donc c'est ça que je m'attends à vivre. Beaucoup de solidarité. De la solidarité, partage. Des moments humains, et puis beaucoup de rire aussi. J'espère qu'on va bien rigoler. Mission accomplie à ce niveau-là. c'est exactement ça. En fait, j'avais totalement oublié la capsule. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. Tu pourrais faire Madame Soleil, tu vois. Tu voilà, prédire l'avenir. Non, mais c'est exactement ça. Et probablement bien plus encore. Et bien plus, mais c'est ça, vraiment. Bien plus. Et des rires, il y en a eu tellement, des rires avec les participants. C'était vraiment génial. Il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu beaucoup d'entraide, il y a eu des mots de réconfort, il y a eu des mots d'encouragement, vraiment magnifique, magnifique. La question est très difficile, mais c'est une classique de l'émission. Une image que tu retiens? En fait, oui, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Attends, faut que je réfléchisse, que je fasse un rewind là. Un moment qui m'a touchée, c'est quand Mathieu, il est venu nous chercher à l'arrivée. Ça m'a vraiment touchée, sa gentillesse quand il est venu nous chercher, qu'il nous a tendu des Coca-Cola. Les plaisirs simples, ouais, ils sont ça. Jamais aussi bons que dans ces moments-là. Ouais. Et puis un autre moment, c'était la vue sur les falaises et la mer et les rouleaux déchaînés. La première étape, ouais. Ça c'était un moment vraiment beau, parce que déjà le paysage était beau, mais c'était dur pour le corps et l'esprit. Et tout ça ensemble, ça fait que ça s'est figé dans ma tête, en fait, la lumière du soleil qui commence à baisser, les rouleaux, les falaises, les petits drapeaux qui te montrent le chemin. Ça, c'est l'image que je garde là, enfin que j'ai, qui vient à moi maintenant. Tu l'as dit tout à l'heure au début de notre échange, tu parlais du prochain HMDS, donc voilà, comment tu envisages l'avenir, c'est les projets dont tu as envie pour la suite, c'est dans la continuité de ce que tu as connu ici. Oui. Parce que là, j'imagine, ça a libéré, ça fait sauter plein de barrières, et on sait que tu as une capacité à faire ça, parce qu'avec ta force mentale, à repousser, à explorer des nouvelles choses. Donc là, le coup d'après, ce serait un autre HMDS peut-être, ou d'autres aventures, c'est encore incertain, ça plane, mais qu'est-ce qui te ferait envie ? Alors j'aimerais beaucoup aller en Jordanie maintenant. Si tu m'aurais posé la question, c'était quand? Le mardi soir, après la première étape, ouais, je t'aurais dit, mais
me parle plus, me parle plus de marathon des sables, de half marathon des sables. J'ai pas ça. J'ai plus envie d'en entendre parler en fait. Non, j'ai vraiment envie de recommencer et puis d'embarquer des amis avec nous. J'aimerais bien que nos amis qui sont venus avec nous reviennent. On verra si j'arrive à. S'il y a besoin de les motiver ou pas. Mais je sais qu'il y a déjà notre groupe de course à pied qui nous a suivis pendant l'aventure. Et puis ils sont tous motivés à fond pour faire un half marathon des sables tous ensemble. Donc du coup. Ça prend bien forme déjà. Ça devient déjà un peu plus concret. Et avec les enfants dans 15 ans peut-être ? Oui, pourquoi pas, ouais. S'ils prennent goût à ce genre d'aventure. Mais ça, ce serait magnifique de pouvoir faire ça avec mon fils ou ma fille, et toujours avec mon mari, bien sûr. Je n'envisage pas sans lui, en fait. Donc j'espère que je vais toujours trouver la ruse pour le convaincre. Tu sauras trouver le stratagème qu'il faut à chaque fois. Ouais, j'ai quelques petits arguments dans le sac, quelques petits tours dans le sac pour le convaincre. Hélène, c'est le mot de la fin. Je vais te le laisser. Tu vas faire mon travail. Je vais te laisser... conclure cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour résumer tout ce que tu as vécu, et voilà, ces 5 jours passés ici? Un mot. Ces jours passés, c'était un énorme soleil, malgré la tempête. C'était un énorme soleil, vraiment. Je pars avec le soleil dans le cœur, vraiment. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour nos échanges. C'était une très belle rencontre, vraiment on a passé des très très bons moments ensemble, c'était très touchant, c'était très riche aussi. Merci pour la profondeur de ce que tu as partagé avec nous, la sincérité, puis l'authenticité des émotions que tu nous as fait vivre aussi, c'était très puissant. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, bien au-delà du micro qu'on a entre nous deux là, au-delà de tout ça, c'était une très belle rencontre. Ah mais c'est partagé, vraiment, merci pour ce que tu fais, Guillaume, et puis merci d'être intéressé à moi. Avec grand plaisir. À bientôt, on se dit à bientôt sur HMDS peut-être, ou on saura se retrouver en tout cas. Merci pour tout, à bientôt. Merci pour tout, Guillaume. Non, c'était trop chouette. Et puis c'est chouette que ce soit figé. Ouais, ouais. Ça, on l'aura. Ouais. Si on a envie de l'écouter dans 5 ans, de se replonger dedans, et ben on aura une trace de tout ça. Ouais. Hein. Ouais, et ça, c'est trop beau. Quoi. Ouais. Ça y est, nous sommes arrivés au terme de ce format hors série en immersion consacré au Half Marathon des Sables à Fuerteventura. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre plus particulièrement les aventures de Marine, Hélène et Major Mouvement. Je tenais à remercier très sincèrement tous les invités du podcast que vous avez pu entendre au fil de ces différents épisodes. Et je voulais également adresser mes très sincères félicitations à tous les finishers de ce Half Marathon des Sables. Bravo à vous. Pour ne manquer aucun épisode à venir de Course Épique, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Et si vous le pouvez, à donner une note au podcast et à publier un avis. Cela aidera Course Épique à continuer de se développer. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles courses épiques.